Ne fais pas ça, grand frère. Ne fais pas ça, mon frère. Écoute-nous. Et tu as dit que cet homme était étrange. Je n'ai jamais vu ce visage depuis que je suis né. Bien, écoute fils, c'est juste un cauchemar. Je ne veux pas que cela te dérange. Un rêve très étrange. Oui, je sais, fils. Il y a de ces rêves qui peuvent te laisser dans cet état, mais après tout, c'est un rêve. Non, que cela ne te dérange pas, ok? C'est juste un rêve, ok? Ne te dérange pas. Igwe. Onowu. Le grand monarque. Bonjour, Onowu. Mon unique prince. Je vous salue. Excusez-moi, papa. Ok. Hey. Oh no. Oui, mon grand chef. J'espère, je peux être capable à te confier une petite mission. Je suis toujours soumis à vos ordres, tout ce que vous direz. Ok. Vraiment. C'est bien. Oui. Alors, comment on fera à propos de cela? Oui, j'en ai parlé à papa. Ok, alors, ils ont dit quoi au juste? Il a dit que je ne pouvais pas me déranger. C'était un cauchemar. Quelque chose qui te dira, c'est juste un rêve. Les rêves ne sont pas réels, ok? Il y a quelque chose autour de ce rêve. C'était terrible. J'ai tiré sur quelqu'un sans une raison. Je suis inquiet. Ah, ok, regarde, je te comprends que ça te tourmente. Mais je te promets que ce n'est rien du tout. C'est juste un rêve. Les rêves ne sont pas réels. Ne le laissez pas te tourmenter, mon amour. Ok? Viens là, mon amour. Viens là. Ok? Mon fils, comment va ton père? Le docteur a dit que c'est une crise cardiaque. Quoi? Quel échec! Comment? Ah. Oh mon Dieu! Le docteur a dit qu'il ira bien, mais il a vraiment besoin du repos. Mon Dieu, pourquoi? Maman, pourquoi, maman, mon s'il Dieu? Te plaît, il ne faut pas pleurer. Hein? Papa va guérir, il se sentira mieux. Pourquoi? Ce n'est pas le moment de pleurer, maman. Ayons juste la foi en prière et il ira bien. Je suis juste venu prendre quelque chose et j'irai très rapidement à l'hôpital. Psst.
Honneur. Votre Majesté. Honneur. Mon roi. C'est bon. Je suis désolé, mon roi. Je t'ai appelé ici parce qu'il y a quelque chose très important dont j'ai besoin de partager avec toi. D'accord, mon roi. Honneur. Votre Majesté. Tu es plus qu'un cabinet du ministre. Oui. De plus qu'un ami. Je sais. Tu es comme un frère à moi. Honneur. Votre Majesté. Il y a un secret. Lequel j'ai besoin de partager avec toi. D'accord, Votre Majesté. Je sais. Bella. Oui, papa. Je veux que tu appelles pour moi Elvis. Ok. Oui, je pense que j'ai besoin d'aller voir mon docteur. Je dois aller voir le docteur. Appelle pour moi Elvis. Ok, papa. Je te reviens tout de suite. Ok. Elvis! Papa! Papa! Maman! Elvis! Papa! Elvis! J'ai convoqué cette réunion pour que nous discutions de problèmes sérieux. Vous connaissez tous le problème qui nous dérange. Et la tradition demande. Alors, le cadavre du roi ne peut pas aller à la morgue. Non, pas non. Ça doit rester dans le haut secret pendant 21 jours et 21 nuits où il va rejoindre les ancêtres avant que son corps ne rejoigne la terre. Honneur, tu as très 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 bien parlé. Tout ce que tu as dit maintenant est important. Ça a été notre tradition et avant même notre existence. Exactement. Oui. Et j'allais dire aujourd'hui, c'est le deuxième jour, qu'il doit être avec eux dans la maison secrète. Oui. Donc sur un total de 20 jours, il y a déjà 2 jours passés, donc il ne reste que 18 jours. C'est ça. Alors le plus tôt serait le mieux. C'est exactement mon idée. Et nous devons aller au palais maintenant pour leur donner la liste afin de préparer l'enterrement. Honneur, ça c'est la meilleure chose à faire. Nous devons visiter la maison royale le plus rapidement possible. Nous n'avons plus de temps. Il n'y a plus exactement. De temps à perdre. On n'a pas suffisamment de temps. Hein? C'est exactement Faisons ça. Les choses rapidement. Hein? Pourquoi on doit traîner comme ça? Empressons-nous. Vraiment. Le majestueux prince. Et tu es le meilleur, Honneur. Je suis honoré de votre visite. Mais elle te soit mon prince. Oui, vous êtes le bienvenu. Oui, je vais bien. Merci. Et prenez place, mon prince. Ah, d'accord, merci. Et mon prince, vous ne pouvez pas vous déranger à venir jusqu'ici. Vous devriez envoyer quelqu'un pour me chercher. Honneur, ne vous dérangez pas que je sois ici. Ah, bienvenue. Merci, Honneur. Puis-je vous servir quelque chose? Je ne suis pas d'humeur pour ça. Hein? Honneur, je suis venu vous dire merci beaucoup.
pour tout l'amour que tu nous as montré pendant l'enterrement de mon père. Une fois de plus, merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je fais mon travail comme le Honohou. Votre père était un grand roi et il devait être enterré comme un roi. Vous l'avez très bien fait, vous l'avez très bien fait. Merci beaucoup, que les dieux vous récompensent. Merci beaucoup. Je vous avais dit que vous êtes le meilleur, Honohou. C'est un honneur pour moi. Merci, mon bon prince. Vous aviez dit que vous ne pouvez pas prendre quelque chose. Non, ça va. Je vais bientôt quitter. Je suis juste venu vous remercier. Attendez. Laissez-moi répondre une nouvelle. Dans tout le village. Mon prince, j'ai eu une réunion avec les anciens hier et nous avons conclu que vous puissiez prendre le trône immédiatement du moment où vous êtes le prince héritier de notre royaume. Mes félicitations. Honohou, attends. Alors, vas-y, on fait comme ça. Igwe. Honohou, attends. Es-tu en train de me dire que vous tous avez décidé de faire de moi le nouveau roi de cette terre? Nous l'avons décidé. Je suis le nouveau roi? Vous êtes présentement le roi de la terre. Honohou, il y a un problème. Honohou, hein? Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est compliqué. Vous êtes sûr? Aucun problème. Hey! Vraiment. Vous le méritez, Honohou. Vous le méritez, mon Honohou. Roi. Vous êtes le meilleur, Honohou. Vraiment. Et tu es le meilleur, Honohou. Maintenant, vous pouvez boire. Bien sûr, je vais boire. Oh, c'est comme ça, trinquant. Oh mon Dieu. Oh mon fils, ça c'est une bonne nouvelle. Je reçois mon affectation. Félicitations, grand frère. Félicitations, mon prince. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mm. Mon âme tressaillit d'allégresse. Chai. Quand Honohou m'a dit que je serais couronné comme prochain roi. Oh. Ah, Honohou a agrémenté ma journée. Je sais. Ah. Je peux l'imaginer. Pour te dire la vérité, je savais qu'un jour viendra, que tu auras ces postes. Mais je ne savais pas que ça serait très tôt. Ah! Félicitations, mon fils. Merci beaucoup. Je suis très fière de toi. Nous aussi. Soit... Oui, vous devez maintenant apprendre à comment m'appeler. Igwe. Igwe. Non, vous... Merci, mon amour. Je suis aussi excitée. Je serai couronnée dans 3 semaines. Et tu sais quoi? Très bientôt, je viendrai te prendre. Je ne vais pas attendre. Habille-toi. Et surtout, n'oublie pas que tu t'adresses à ton roi. Et tu dois t'adresser à moi comme ton Igwe. Futur. Salut, Honohou. Merci, mon prince, mes respects. Adema, comment tu vas? Je vais bien. Honohou, j'étais en direction vers ta maison. J'espère que tout va bien. Tout va bien, Honohou. C'était juste pour me rassurer comment vous vous préparez pour mon couronnement. Oh, à propos du couronnement, vous n'avez pas besoin de vous déranger. Pendant que je vous parle maintenant, tous les arrangements ont déjà été faits. Tout est en ordre maintenant. Honohou, ce couronnement ne concerne que moi. Alors, s'il te plaît, je ne voudrais pas de bêtises. Considérez que c'est fait. Je suis partant. C'est bien. Et où vas-tu maintenant? Je suis en route vers la maison d'Ichieke. Pour le même problème. Montez, je vous accompagne. Dans votre véhicule? Mm-hmm. Yeah! Le grand prince Inkem. Non, ce n'est pas comme ça. Hein?
vous devez vous adresser à moi comme votre Igwe. Oh, Igwe. Vous le méritez. Que vous viviez longtemps. Ici. J'arrive. Par le pouvoir qui m'a été légué comme le Honorou de ce royaume, je te couronne le Esekibie de royaume d'Obuike. Que le dieu vous l'agrée. Que les dieux te l'accordent. Ici. Que les dieux t'acceptent. Ici. Et que les dieux soient avec ici. Toi. Ici. Et dites-moi, que faites-vous ici? Et vous, est-ce que ça va? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Mon frère, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici? Mon prince, pardon, sois calme. Jeune homme, qui es-tu? Que fais-tu ici? Très bonne question, très bonne question. Je pense que tu as posé une très bonne question. Très bonne question, très bonne question. Je pense que tu as posé une mon ami, pour tu aller tout droit au but, pourquoi es-tu ici? Je suis désolé d'avoir interrompu votre célébration ou quoi que vous ayez en ce moment. Je suis désolé. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé pour ça, je vous en supplie. Et mon nom, c'est Charles, aussi connu comme le roi des concepteurs. Je suis venu voir mon père. Je suis venu voir mon père. Qu'est-ce que tu dis? Il est venu voir son père. Son papa? Oui, son papa, les rois. Jeune homme, arrête de me mettre dans la confusion avec tout ce que tu dis. Parle-nous de la manière dont nous pouvons comprendre. Si tu veux ton père, pas de problème. Nous pouvons te conduire chez Mamouche. Elle sort toujours les bonnes informations de notre royaume. Ok, je pense que vous me comprenez correctement quand je dis « Je suis venu voir mon père, le roi de cette communauté ». Quel roi? De quoi parlez-vous? Qui est cet homme fou? Écoute bien, jeune homme. Nous étions très bien occupés avant que tu viennes nous interrompre. J'essaye vraiment de me contrôler malgré tout. Ha! Alors, pour la dernière fois, qui es-tu et c'est quoi ta mission ici? Je connais ce visage. Hein? Oui. C'est le monsieur que j'avais tué dans mon rêve. Quoi? Bébé, tu veux dire que c'est le même homme que tu avais vu dans ton rêve? Viens, c'est le monsieur que j'avais tué dans mon rêve. Waouh. Jeune homme, tu as dit que ton nom est Charles. Yep. Et le roi est ton père. Bien sûr. Prouve ça. Hé hey. Vous voulez que je l'éprouve? Oui, laissez-les prouver ça. Vous voulez que je les prouve? Oui, vas-y, prouve ça. Vous voulez que je les prouve? Non, mais vas-y. Vous voulez que je les prouve, hein? Vous voulez que je les prouve, hein? Vas-y, prouve. Vous voulez que je les prouve, hein? Voici mon père. C'est lui mon père. Oui, mon papa. Vous comprenez ce que je dis? C'est lui mon père. Oui, c'est lui mon père. Oui, mon papa. Vous comprenez ce que je dis? C'est lui mon père, c'est mais lui mon père, oh, c'est oh, lui mon père. Oh, oh. Vous comprenez ce que je dis? Mon papa, c'est lui mon père. C'est ton... Oui, mon papa. Les rois? C'est lui mon père que j'aime. Oui, c'est lui mon père. C'est vrai? C'est lui mon père. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, voici la preuve. Au cas où vous le savez, mon père et moi avons une connexion entre père et fils. Mon père et moi avons cette connexion entre père et fils. Il a l'habitude de venir me voir et nous faisons n'importe quoi. Nous allons passer du temps ensemble et nous partons partout où nous voulons. Je crois que vous comprenez de quoi est-ce que je parle. Maintenant, écoute. Il y a 2 mois passés, j'étais en train d'attendre mon père. Viens aux funérailles de ma mère.
Je l'attendais, mais il n'était pas venu. Papa n'est jamais venu. Papa n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Et je me suis décidé de venir moi-même. Je me suis décidé de venir moi-même de savoir ce qui se passe. Parce que je crois que ça prend déjà plus que... Alors, on fait quoi? La situation se dégrade. Oh non, tu nous mets tous en confusion. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est quoi la vérité? C'est la vérité. Tu parles de quoi, oh non? Oh non. Votre Majesté. Oh non. Mon roi. Désolé. Désolé, monsieur. Je t'ai appelé ici parce qu'il y a quelque chose très important que je dois partager avec toi. D'accord, monsieur. Oh non. Votre Majesté. Tu y es plus que... un cabinet du ministre. Plus qu'un ami. Je sais, Majesté. Tu y es un frère pour moi. Oh non. Votre Majesté. Il y a un secret. Lequel j'ai besoin de partager avec toi. D'accord, monsieur. Mon roi. Vous pouvez toujours compter sur moi. Qu'est-ce qu'il y a pour que vous soyez dérangé? Dites-moi. J'ai un fils. Non, mais je sais que vous avez un fils, non? Vous avez un fils. C'est ce qui vous dérange? Je ne parle pas concernant Elvis. Je parle à propos de Charles. Charles encore. Qui est Charles? Il y a 3 ans passés, Ono, j'ai triché à ma femme. Ce qui a donné les résultats de la naissance de Charles. Votre Majesté, permettez-moi de vous demander où est ce Charles? Il est en Californie. Avec sa maman tous les jours. Obi. Qui est Obi? Obi, c'est un fils de mon cœur. Mon fils que j'aime beaucoup. Obi Green. Mon bien-aimé de tous. Mon seul est unique. Vraiment, tu es tout pour moi. Ah, vraiment. Mais elle passe, mon prince. Bonjour, la belle. Un instant. Waouh. Quelle beauté. Tu sais, on dit souvent que les belles filles ne sont pas encore nées. Mais les jours que tu es venue dans ce monde, tu as prouvé que c'est tort. Merci, mon prince. Tu es tellement belle. Ok. Pardon. C'est quoi ton nom? Mon nom est Obi, mon prince. Obi. Tu es de ce royaume? Oui, mon prince, je le suis. Tu sais que j'ai beau marcher dans ce royaume tous les jours de ma vie. Je n'ai jamais rencontré aucune belle fille comme toi. Mon prince, vous me flattez. Alors, qui est ton père? Du défunt chief, Obi Dike, mon prince. Obi Dike. Le faiseur de vin de palme. Oui, mon prince. Ah, je le savais.
Je connais ton père. En plus, son vin est le meilleur dans ce royaume. En outre, il était ami à mon père. Oui, mon le monde est petit. Oui, mon prince. Obi, je veux que nous continuions avec la même relation. Ce que ton père m'a laissé dans le passé. Je suis intéressant, je t'aime. Bonjour, la plus belle et adorable fille de notre terre. Bonsoir, mon prince. Bonsoir, comment ça va? Comme vous le voyez, je vais bien. Obi, tu n'es pas bien avec cette charge-là sur ta tête. Idika? Oui, oui, mon prince. Viens l'aider. Non, mon prince, merci. Je le ferai moi-même. Obi. Mon prince. Pardon, considère-moi. Considère-moi, dès le premier jour que j'ai fixé mes yeux sur toi, je n'ai jamais été moi. Ton image me revient toujours dans ma tête et dans mon imagination. Pardon, juste donne-moi la chance. Aime-moi comme je t'aime aussi. Pardon. Vous, moi, en amour, mon prince. Laissez-moi vous conseiller. Arrêtez de me flatter et affrontez la réalité. Je ne suis pas intéressée. Je ne veux pas, non, hein? Est-ce pour vous difficile de comprendre? Je ne veux pas. S'il vous plaît, excusez-moi. Obi, Obi, pardon. Pardon. Ugori. Ah, mon prince. Udo, Udo, comment ça va? Je vais bien, mon prince. Comment va le roi?
Ah, il va bien. Il va bien. Honnêtement, votre père est en train de faire de très bonnes choses dans ce royaume. Merci. Évidemment, tout le monde dans ce royaume est très content de sa manière de présider, d'organiser et essayer de tout mettre en ordre. Merci beaucoup pour les compliments. Dieu vous bénisse. Je voudrais vraiment vous voir. Mais merci Seigneur, vous êtes là. Mon prince, j'ai vraiment deux cousines. Je voudrais qu'elles puissent venir servir au palais comme des servantes. Je ne sais pas comment je peux faire pour ça. Ok. Amène-les d'abord. Ok, je le ferai. Mais honnêtement, votre père fait du bon travail dans ce royaume. Merci pour le compliment. Merci, monsieur. Merci, mon prince. Merci. Je vous prends congé. Au revoir. Là, ce n'est pas Obi. Qu'est-ce qui te poursuit? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mon prince. Oui, c'est quoi? C'est ma mère. Maman, qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, ma mère est très malade. Obi, tu ne t'es jamais dérangé pour me dire que ma mère est malade? Mon prince. Ah. Le produit que le pharmacien m'a donné ne marche pas. J'y vais là-bas pour qu'il me change. Ça, ce n'est pas nécessaire. Amène-la chez la maman. Elle a besoin de l'attention médicale maintenant. Amenons-la à l'hôpital. Hôpital? S'il vous plaît, mon prince, je n'ai pas d'argent pour les prises en charge, mon prince, j'en ai pas. En tout cas, je n'ai rien pour le moment. Je ne te demande pas de payer les frais d'hospitalisation. Je ne te demande pas de les faire. Moi, je te demandais même ton avis. Amène-la chez la maman, amène-la à l'hôpital, elle a besoin de l'attention médicale. Pardon, allons-y. Mon prince. Obi. Obi, as-tu pensé concernant ma demande? Oui, bien sûr. C'est quoi ma réponse? Ça te fait rire. Dis-moi, c'est quoi la réponse? Ma réponse? Oui. Oui! Oui! Les gens de ce royaume me disent oui! Oui! Oh bien! Attendez. Tu as dit oui! Elle vient de dire oui! Attends, mais en une condition. Ah! En une condition. Ok, c'est quoi la condition? Peu importe ce que tu diras, je le ferai. Bien. Qu'il n'y aura pas de sexe, pas de bisous, pas de jeux de touche-touche, pas de romance dans cette relation. Dans cette relation. Si c'est bon, je vous écoute. Ça, ce n'est pas un problème. Obi, écoute. L'amour que j'ai pour toi, ce n'est pas seulement pour le sexe. Cela sort au fond de mon cœur, Obi. Sincèrement et honorablement, je t'aime. Le sexe, c'est rien. Ok? Juste aime-moi comme je t'aime. Et cela suffit. Êtes-vous sûr? Je vais te faire une promesse. Êtes-vous sûr? Parfaitement sûr. J'ai besoin de te promettre. Ok. Je vous écoute. À ce qui me concerne, Obi, je m'assurerai qu'aucune larme coulera de tes yeux. Oh. C'est une promesse. Merci. Viens. Viens là. Ok? Maman, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es très heureuse comme ça. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces sacs? Maman, regarde tout ce que le prince a acheté pour nous. Regarde. Eh oh! Ça,
Ça, c'est beaucoup, non? Oui, bien sûr. Hey, que Dieu le bénisse pour moi. Amen. Maman, c'est pas encore fini. Oh. Il m'a encore donné 30 000 Naira pour t'acheter tous tes médicaments. Et ce qui va rester, tu achèteras tout ce que tu voudras. Ne dis pas ça. Prends. Hey, hey. Maman. Hey, wow. Attends. Biko, ma fille chérie. Donne-moi l'argent, le prince. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu va continuer de te bénir. Amen. Ça, c'est tellement nombreux. Vraiment. Ma fille. Maman, où vas-tu avec le couteau? Adams, je voulais partir derrière la maison pour qu'il y ait quelques légumes. Pour que je prépare ce que nous allons manger la nuit. Maman, t'inquiète, donne-moi ça. Va te reposer. Toi, entre à la maison, te reposer, j'arrive. Hein? Vas-y. Hé, hey, Adamo. Nemo. Indonie. Hey. Que Dieu te bénisse. Adanaya, je te regarde maman. Comment tu es en train de rire. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu es là. C'est rien, je suis juste contente. Je suis juste très contente. Hein? Es-tu sûre? Oui, maman. Oh, tu m'as rappelé. Comment va le prince? Maman, le prince va bien. Il t'avait aussi demandé. Eya. Adam. Maman. Parlant de prince, tu dois être très prudente. Rappelle-toi que nous ne sommes pas de la royauté, mais nous sommes des pauvres. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Adama. Maman. Peu importe comme tu vas aimer le prince, il ne peut pas se marier à une pauvre comme toi. Alors il faut être très prudente. Oui. Tu dois te calmer. Tu ne peux te fâcher contre ton père. Il est ton père. Il est mon père. Oui. Parce qu'il est mon père, alors je n'ai plus le droit de prendre la décision. Hein? C'est lui qui doit décider des problèmes me concernant. Hein? Suis-je un gamin? Non. Prends le soin de me regarder. J'ai l'air d'un gamin. Alors pourquoi? Pourquoi je ne peux pas le faire de moi-même, même une fois? Je comprends. Hmm? J'ai bien compris, mon prince. Mais il reste toujours ton père. Il te considère toujours comme son petit garçon. Ne cherche pas à ce que ceci te dérange. Ok? Souris pour moi. Mon prince, je n'aime pas ce visage. S'il te plaît, souris pour moi. Ça, c'est mon prince. Maintenant, tu sens que tu es entré en moi tout entier, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Ne suis-je pas Obi? Viens ici. Merci beaucoup. De rien. Merci d'être là tout le temps pour moi. Me traiter comme un ami. À être aussi ma soeur que je n'ai jamais eue. Oh, de rien. Je t'amène quelque part alors. Partons. J'ai besoin de t'amener quelque part. Partons. Quelque part comme où, mon prince? Tu vas les découvrir toi-même quand tu seras là. Ah, mon prince, j'ai des trucs à faire pour ma mère. Hein? Pas de problème. Partons. Es-tu sûr? Pardon. Non, mon prince, ce n'est pas juste. Non, c'est pas bien. Obi. Mon prince. Je t'aime. En faisant ceci, nous développons l'amour que nous avons pour l'un l'autre. Pardon. Mon prince, je ne pense pas que c'est une bonne chose pour nous de le faire. Obi. Mon prince,
Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu, ok? Nous allons prendre soin de ça. Pardon, faisons-le. Je t'en supplie. Mon prince, promets-moi que si on fait cela, tu ne vas jamais m'abandonner. Jamais. Tu me promets. Je te le promets, Obi. Je t'aime beaucoup. Mon prince, fais attention, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je sais. Tu vas faire attention. Je te le promets. C'est une promesse. Hein? Fais attention, mon prince. Je ne l'ai jamais fait. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute, mon prince. Tout va bien? Tout va bien. Mais promets-moi que tu ne vas pas te fâcher quand je vais te le dire. Ah, ah. Je veux juste que tu sois calme. Je suis là, je t'écoute. Dis-moi, c'est quoi? C'est juste... Mon prince, c'est quoi le problème? Je suis là pour toi, parle-moi, c'est quoi le problème? Je vais fixer le mariage. Ah! Ça, c'est une bonne nouvelle! C'est une bonne nouvelle! Mon amour va se marier! Je suis impatiente d'être appelée ta femme! Je suis très heureuse! C'est ça le problème! C'est ça le problème. Je me marie à la princesse du royaume Maliki. J'ai essayé de tout faire avec mon pouvoir, de suspendre ce mariage, mais ça n'a pas tenu. Tu me fais une blague, c'est ça? Mon prince, s'il te plaît. Non. Dis-moi, ça c'est une blague. Dis-moi que c'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Non. Je ne blague pas. Je suis désolé comme ça s'est fait de cette manière. J'ai essayé. J'ai essayé à parler à mon père. Mais tu connais mon père, c'est un homme têtu. En plus de cela, elle est enceinte de mon enfant. Hey! Mon prince, non! Non, mon prince, tu m'as tué. Je suis fini. Mon prince, non, dis-moi que c'est pas vrai. Pardon. Pardon, Obi. J'étais juste un petit dur. Qu'elle porte ton enfant. Elle porte ton enfant. Pardon, sois calme. Mon prince, tu m'as tué. Oh. Pardon. Dis-moi où j'irai loin d'ici. Dis-moi, j'irai où? Mon prince, comment tu peux me faire ça? Comment? Oh! Tu m'as tué! Pardon, mets-toi. Mets-toi, ok? Non, laisse-moi seule! Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu me faire ça? Pardon, juste, assis-toi. Assis-toi, pardon. Pardon, assis-toi, que nous parlions. Non, laisse-moi tranquille! Qui est là? Il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un? Ah ah! Ah! Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu faire quoi ici? Je t'en prie, va rejoindre ta femme. Obi, je sais que je t'ai causé du tort. Mais c'était intentionnel. Tu es celle que j'aime. Toi et moi savions que tu es la personne tellement que j'aime de tout mon cœur. Menteur! Tout n'est que mensonge. Tu as même le courage de me mentir.
en face. Tu as tout planifié, n'est-ce pas ça? Non. 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 Hein. Comment tu peux dire une telle chose? Obi, tu sais vraiment qu'à ce point, il n'y a rien que je pourrais faire. La parole de mon père finale. Sors de la parcelle de mon père. Obi, je suis désolé. Sors de la parcelle de mon père. Va-t'en. Tu ne peux pas me chasser dans votre parcelle. Sans te manquer de respect, j'ai dit qu'est-ce qui se passe ici? Maman? Quoi? Maman, ce n'est rien. Mon prince, tu y es là? Bon après-midi. S'il te plaît, mets-toi. Maman, il partait déjà. Oui, maman. Oui, maman. Mon prince. Obi. Mon prince, please. Maman, il partait déjà. Tu voulais déjà partir, non? Mon prince. Obi, tu es là. Tu m'attends pas t'appeler. Obi. Maman? Je t'ai pas écouté. Obi, tu es triste. C'est quoi ton problème? Maman, je veux bien. Je veux bien. Je suis ta mère. Et je sais quand tout ne va pas pour toi. Dis-moi, c'est quoi ton problème? C'est un problème avec le prince? Maman, je veux bien. Ça va aller. Mais concernant le prince, je lui ai demandé de partir parce que je n'ai pas besoin d'être avec lui. J'ai juste besoin d'être libre. C'est bon, j'ai compris. Prends cet argent, vends de n'importe quel shop. Trouve-moi la sauce que je vais manger. Prends. Achète-moi ma sauce préférée. Que j'achète ma sauce préférée dans n'importe quel shop. Oh, la soupe que tu aimes? Oh, c'est ça. Ok, pas de problème. Obi? Je sais que profondément je t'ai causé du tort, je suis désolé. Mon prince! S'il te plaît, pardonne-moi. Mon prince, qu'est-ce que tu fais? Pardon, lève-toi. Les gens regardent, s'il te plaît, mon prince. Laisse-le voir, laisse-le voir. Pas de problème, Obi. Tu crois que cela m'inquiète? Mon prince, tu m'embarrasses comme si nous sommes à l'extérieur. Qu'est-ce que les gens diront? S'il te plaît, okay, pardonne. Ok, ça va, pardon. Tu es pardonné. Je te pardonne. Pardon, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, mon prince, lève-toi. Tu m'as pardonné? Oui. Qu'est-ce que les gens diront quand ils vont te voir? Mon prince, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Merci beaucoup. Ok, je suis désolé. Je suis désolé de tout ce qui s'est fait. Tu peux venir dans mes bras? Pardon. Ok. Qui est ton amour? Tu ne sais plus là où se trouve ton amour, hein? S'il te plaît, ne m'appelle plus ce nom. C'est quoi, Obi? Qu'est-ce qu'on ne va pas avec toi? Obi, tu sais que de tout mon cœur, c'est toi que j'aime. Il n'y a pas une autre. Hein? Quand bien même je sais que la tradition ne me permettra pas de te marier. Elle ne m'interdit pas d'aimer. Oh! C'est vrai. Donc tu le savais. Et tu es venu pour me décevoir. Tu savais. De toutes les façons, c'est pas pour ça que je suis là. Je suis enceinte de ton enfant. Tu es quoi? Tu m'as écouté. Je suis enceinte de ton enfant. Obi, dis-moi que tu blagues.
Dis-moi seulement que tu es... Comment je peux faire des aventures avec quelque chose de sérieux comme ça? Comment je vais faire des aventures avec? S'il te plaît, mon prince, ne me pousse pas à me fâcher. Ne me pousse pas à me fâcher. Je porte ton enfant. Obi, fais l'avortement. Sans je fais jamais. Je ne vais jamais avorter l'enfant. Fais tout ce que tu peux faire. Ça m'est égal. Mais l'avortement n'est pas une option. L'enfant sera né. Un point entré. Obi, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu te décides de m'amener cette honte? Quoi? Quoi? Après tous mes avertissements, tu as fini par être grosse du prince? Vraiment, c'est ça? Dis-moi où il est! Dis-moi où il est! Aïe! Maman! Non! Maman! Pitié! Je suis désolée. Je suis désolée. Je n'ai pas fait ça intentionnellement. C'était une erreur. J'ai commis une erreur. Je n'ai pas fait ça volontairement. Maman, pardonne-moi, je suis ta seule fille. Oh, maman, pardonner? Oui, maman. Oui. Tu as dit que je devais te pardonner? Oui, maman, pardon. Maman, pardonne-moi. Es-tu consciente de la honte que tu as amenée à la famille Obodo? Je sais. C'est au moins la honte que tu as amenée à Obomi. Je sais, maman, pardon. Je suis déçue de toi. Je suis totalement déçue de toi. Je ne t'ai jamais dit que c'était vrai. Je ne t'ai jamais élevé de cette façon. Maman, arrête. Maman, s'il te plaît, maman. Maman, faut pas me faire ça, maman. Maman, je suis là, maman. Maman, ne fais pas ça. Non, maman, tu peux pas mourir et me laisser. Non, maman, rien ne va t'arriver. Maman, pardon. Je veux faire avec notre dame. Mes femmes que je t'avais. Protège-moi, maman. Et alors, parlant de ton oncle, Ibé. Ibé qui cherche des manières de nous mettre hors de cette maison. Je sais, maman. Ibé a gagné. Non, maman. Ibé a gagné. Non, maman, ça va pas arriver. Non, maman. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Non, pardon, je suis la seule fille. Ça, c'est une bonne raison. Prie. Ça, c'est une bonne raison pour lui de nous mettre hors de cette maison. Non, maman, il ne fera pas. Maman, s'il te plaît. Maman, pardon. Maman, calme-toi. Maman, je t'en prie, maman. Maman, calme-toi. Maman, non. Maman, pas comme ça. Attends, je vais t'amener de l'eau. Je vais t'amener de l'eau, maman. Attends. Hey! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Maman, ne fais pas ça. Maman. Ah! Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît. Maman, non. Maman, je ne veux plus refaire ça. Je ne veux plus refaire ça. Je t'en prie, maman, réveille-toi. Maman, non. Non! À l'aide, je vous en prie. À l'aide! Je ne sais pas ce que je peux faire. Mais maman. Désolée. Mais maman. C'est la seule personne que j'avais. Quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu te moquer de moi. C'est bon, hein? C'est bon, calme-toi. Pourquoi? C'est bon. Tu es venu pour te moquer de moi. Obi. Comment tu peux dire telle chose? Non, comment je peux se moquer concernant la mort de ta mère? Quand j'ai eu la nouvelle, directement, je suis venu pour te rendre visite. C'est quoi? Félicitations. Tu as gagné. Même avec la seule personne de ma vie. Félicitations. S'il te plaît, je t'en supplie au nom de tout ce que tu as. Pardon, laisse la maison de mon père. Obi, peux-tu pardon te calmer? Nous sommes des pauvres. Dieu de la royauté. Pardon, rentre au palais. Va faire ta femme. Et laisse-moi, s'il vous plaît, seule. Laisse-moi seule. Pardon. Obi,
Écoute-moi. Ok, juste écoute-moi. Sois calme et écoute-moi, pardon. Je dis va-t'en. Tu ne veux pas partir. C'est bon. Laisse-moi. Pardon. Mais, pardon, c'est calme. J'ai besoin de causer avec elle. Dis-la d'être calme. Non, non, reviens ici. Reviens ici, comme ça tu sauras comment je t'ai tué. Tu vas revivre de ma maman. Tom. Ma maman est partie. Jésus. Pendant combien de temps continueras-tu à vivre une vie misérable pendant que le papa de ce bébé fait sa vie correctement? Obi, s'il te plaît, calme-toi. C'est Dieu ma nièce préférée. Et s'il n'y a personne à qui tu peux parler, alors je suis là pour parler avec toi. Parce que je veux savoir à qui appartient ce bébé. Dis-moi, s'il te plaît. Viens. Oncle. Maman. Viens, s'il te plaît. Je ne peux que te demander de venir, s'il te plaît. Arrête de pleurer, viens. S'il te plaît, arrête de pleurer. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. S'il te plaît, Obi. Lève-toi. Lève-toi. Ça va. 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 Ça va
Heureusement, viens. Il y a quoi? Pourquoi est-ce que tu m'appelles comme ça? Oublie ton travail, elle va bien te mettre au monde. Hein? Oui. Déjà? Elle va bien te mettre au monde. En Binkem? Oui. Oui, allons-y. Je prie que le mal ne lui arrive pas. Allons-y. Ah. Undo. Oh, Oji. C'est comment? Non, mais ça va, tu ne te fais pas voir. Non, mais je suis là, je vais voir juste quelqu'un de l'autre côté. Alors, dis-moi, pourquoi tu veux me voir? Et pourquoi ouvres-tu tes yeux comme ça quand je parle du coin là, hein? Non, mais dis-moi, est-ce qu'on est amis? Mon problème dans ce royaume est une chose. Et c'est quoi ton problème, dis-moi? Il y a une très belle fille, très responsable, très élégante, docile, a été enceinte. D'ailleurs, ce n'est pas le fait d'être enceinte qui est mon problème. Alors, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est qu'elle a été enceinte et nous ne savons même pas qui l'a enceinte. C'est quoi ton affaire avec sa grossesse et ainsi que la personne qui l'a enceinte? D'abord, tu sais de qui je parle? Je ne sais même pas de qui tu parles. Et qui que ce soit, c'est quoi ton affaire? Oh, oui, Obi. Et la ma nièce. Oui. Merci. C'est de ça que je parle. Est-ce que tu peux m'affirmer cette information? Parce que nous ne voulons pas que les gens soient mentis dans ce village. Nous aimons la vérité. Qui a engrossé Obi? C'est toi qui es responsable de sa grossesse. C'est exactement ce que tu veux savoir. Tiens, c'est lui qui l'a engrossé. Et tu veux entendre ça? Et que ça ne soit pas ce que je pense. À quoi penses-tu? Tu es sûr que ce n'est pas toi qui a engrossé Obi? Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas vraiment normal. En quoi est-ce que ça te concerne? Qu'est-ce que tu veux ma savoir? Ma sœur, imagine. Tu veux imagine savoir quoi? Vraiment, une tu veux savoir quoi? Une descente Obi dans ce village a été enceinte. C'est ma nièce. Mais nous ne savons pas qui l'a engrossé dans ce village. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il y a quoi dedans? Maman. À ton âge, tu te comportes comme ça. Ce n'est pas normal. Ma sœur, viens, il va t'expliquer. Va-t'en. C'est toi qui l'as tu ne vois absolument rien. Tu es là pour que tu mènes les affaires des gens. Tu es là, tu es allant de l'honneur. Tu dis là, va-t'en. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quand je te demande d'être loin de moi, tu ne comprends pas? Obi, pardon. Pardon vraiment. Aie pitié de moi. Je sais que je t'ai offensé. Mais permets-moi de voir mes mon fils. Pardon. Est-ce que je t'ai entendu dire ton fils? Quel fils? Le même que tu m'avais demandé d'avorter? S'il te plaît, quitte cet endroit. Pardon. Tu n'as pas d'enfant ici. Pardon, Obi. Pardon, Obi. Punis-moi de la manière dont tu veux. Je t'aime. Et je continue à t'aimer et mon fils. Je suis désolé. Tu ne peux pas me refuser de le voir. Pardon. Bébé? Oh, mon bébé! Mon bébé chéri! Ne pleure pas! Mon bébé chéri, bébé! Ne pleure pas, mon fils, je suis Obi, là pardon. Avec toi! Laisse-moi lui toucher! Mon bébé est vraiment intelligent! Bébé, ne pleure pas, permets-moi de les toucher, maman! Ne touche pas, mon fils! N'ose pas! Bébé, maman est là! Il ne faut pas pleurer car Obi? Elle est là. Maman est là. Pardon. Maman pardon. Est là. Bébé, tu as faim? Obi, ne pardon, pas, donne-le-moi. N'ose pas. Bébé, oh, maman est là. Mon bébé, maman. Yeah. Tic, 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 tic. Oh, mon bien-aimé. Oui. Il est comme son père. C'est vrai.
mon amour, vraiment, je suis désolé, ok? J'ai refusé de ne pas énerver mon père. Et j'ai refusé de perdre le trône et toi. Ok, si j'en parlais ceci à quelqu'un, même toi, tu ne devrais pas me croire. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu devais tout m'expliquer, hein? Mon petit garçon, oui, mon petit garçon. Tchik, 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 tchik. Oui, je sais. Écoute, hein, je t'ai fâché. Hmm? J'étais aussi fâchée parce que tu n'étais pas venu les jours où j'avais accouché. Oui, je sais. Je sais. Ma femme était à la maison ce même jour. Elle avait la complication. Directement, quand j'ai eu la nouvelle que tu as donné naissance, j'ai envoyé la femme et le chef de garde pour venir t'assister. Je n'avais pas autre chose à faire. Pardon. Je sais que je n'ai pas réussi à être comme ton amoureux, aussi à être comme ton père. Hmm? C'est bon. Mon bébé, bébé, viens chez ta maman, viens. C'est pourquoi je ne t'ai pas venu te voir. Tel père, tel fils. Oui, il est comme moi. Il te ressemble beaucoup. Oui. Je disais, je ne savais pas comment venir te voir. C'est pourquoi tu as bien remarqué mon absence depuis tout ce temps. Vraiment désolé. Je souhaite que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. Alors maintenant, je suis prêt à prendre ma responsabilité en tant que père. Je l'ai dit franchement. Tu sais que nous avons l'habitude de vivre comme mari et femme. Ok, alors, voir la manière dont les choses s'est déroulées, on ne pouvait rien faire. Je te propose une idée. Une idée? Mmh. Oui. Dis-la un peu. J'ai besoin de t'envoyer toi et mon fils à l'étranger. De manière à ce que vous ayez une bonne vie. Et tout ce que je fais ici, vous êtes aussi concernés. Oh, tu veux nous envoyer loin? Hein? Écoute un peu ton papa, il veut nous envoyer loin d'ici. Écoute, Obi, je ne te chasse pas. Je ne vous chasse pas, je vais à ce que vous ayez une bonne vie dans les jours à venir. Pardon, juste donne-moi ton consentement. Pardon, bébé. Voici ton père. Si je savais, je n'allais pas accepter sa proposition. Parce que maintenant, c'est moi qui souffre et lui n'est pas là. Mais je crois en toi, éternel Dieu, qui va m'ouvrir d'autres portes. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais je sais que l'éternel ne m'abandonnera jamais. Oui, je le sais. L'étape que je traverse avec mon fils, Dieu va nous assister et demain sera meilleur. Ma fille, après avoir dit toutes ces choses, tu lui as dit quoi? Je ne lui ai pas donné ma réponse. Je ne sais pas si nous devons accepter ou rejeter sa proposition. Je suis confuse, oncle. Je suis confuse. Je suis vraiment plus confus que toi. Je suis vraiment confus. Je pense que je dois accepter. Je dis, même si c'est pour rien, pour sauver mon fils, je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Je pense qu'il aura une meilleure vie là-bas. Tu es vraiment sûr de ta décision? Oui, oncle. Oui. Bien. Alors, fonce. Il n'y a absolument rien que je ne puisse dire. Dans ce pays, les choses sont très dures.
Va de l'avant. Tu as ma bénédiction. Merci. Merci beaucoup. Je t'ai dit, j'ai vraiment apprécié. Merci. Tu n'as pas le droit de me remercier. Non, pourquoi tu me remercies? Je fais ce que tout papa peut faire à son enfant. Alors ça ne vaut pas la peine de me remercier. D'ailleurs, c'est moi qui devrais te remercier de m'avoir permis jouer le rôle de papa vis-à-vis de son fils. Je me rappelle, tu as pensé à propos de ce que nous avions discuté la fois passée? Oui, je le fais. Alors, c'est quoi la réponse? J'accepte de voyager avec mon fils. Ah! Merci, 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 merci. Ah! Je vois que c'est la seule option pour ces moments. Je suis rempli de joie. Mon cœur est tout troublé de joie. Mais à une seule condition. Condition? Ok, bien. Quelle est la condition? Tu dois d'abord m'épouser. Obi. Obi, toi et moi, nous nous aimons de tout cœur. Je t'ai pressé à te marier. D'ailleurs, on devrait se marier depuis longtemps. Pourquoi tu vas encore bloquer la situation? Je sais que notre tradition ne me permettra pas de marier... D'épouser une pauvre, c'est ça? C'est ce que tu veux bien dire? La tradition ne te permet pas d'épouser une pauvre, c'est ça? Mais la même tradition te permet d'avoir un enfant avec une pauvre. Tu n'as pas besoin que cet enfant devienne légalement le tien? Oui, je n'ai pas assez souffert. Je ne l'ai pas. Seulement une chose. Une chose que je t'ai demandé de faire pour moi. Une seule chose. Je te demande de le faire pour moi. Je suis la mère de ton enfant. Je suis la mère de ton enfant. Pour l'amour de Dieu, je le suis. Obi, calme-toi. Je vais te marier. Oui. Oui, je vais te marier. Tu ne blagues pas, c'est ça? Non, je ne blague pas. Mais, ça sera entre nous et ton oncle. Alors, informe-lui à préparer la liste de mariage. C'est ça. Tu ne blagues pas, tu es sérieux, c'est ça? Oui, je suis sérieux. Ok. Je t'attends. Votre Majesté. Vraiment? Ouais. Hey, Chance. Bienvenue. Oui, d'accord. Je suis ton oncle. Ta maman était ma nièce. Oh, est-ce que c'est vrai? Bon retour à la maison. Je remercie les dieux de me protéger jusqu'à ces jours. Bienvenue. Ah. Je crois que tu as compris. Bienvenue. Oui, je vois que vous avez tous compris. Comme vous le voyez, je suis chez moi. Elvis. Ichie. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Et ce que je viens de voir aujourd'hui était plus grand que moi. Ichie Ogo. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux du tout. Le roi nous avait trahis. Tu veux dire quoi?
es-tu vraiment la personne qui pose cette question? Comment est-ce que le roi peut avoir un enfant vraiment ailleurs et laisser jamais Rosalie de nous en parler? En effet, c'est ce genre de trahison que font des grandes personnalités. Mais tel n'est pas mon problème. Mon problème, c'est juste l'arrivée de l'Américain. Ça fait l'arrivée des problèmes dans cette communauté. Et tu es Ogo. Yay! Tu as raison, ou? Ok. On n'a pas vu les choses comme ça. Ça, c'est un vrai problème. Un grand problème. On va faire comment? Je sens les débuts de... des troubles. Toi, tu sens encore. Moi, je suis déjà dans le trouble, hein? Il n'y a que des dieux qui peuvent nous délivrer de ce problème. Parce que sans sa contribution, Okeke, on ne peut pas y arriver. Ah, c'est embarrassant. Quel genre de situation désolante. How? Nos dieux. Oh, je te reviens où? Ils peuvent nous aider. Oh, vraiment. Mon fils. Ouais. Ça, c'est la parcelle de ta maman. C'est ta maison maternelle. C'est ici que ta maman a été née. Elle a grandi ici. Nous sommes tous nés ici avant que vous tous vous alliez en Amérique, au Canada. Je reviens de la Californie. Oh, ok. Californie, merci beaucoup. Bienvenue. Ça, c'est ta maison maternelle. Oh, mais s'il te plaît, tu n'as pas montré tout ça. Pendant que j'étais là-bas de l'autre côté en Amérique, je pouvais voir mieux que ça. Beverly Hills, tu sais. Là-bas, je voyais de très bons endroits. Tu sais, je ne suis que venu pour voir mon père. Mon OG. Je n'ai pas vu mon OG. Tout le monde peut me dire non, mais pas pour mon OG. Il est où mon OG? Mon papa est où? Il est où mon OG? Nous allons parler de ça après, mais ça, c'est ta maison. Où se trouve mon OG? Il est où mon OG? Peux-tu au moins me dire où est-ce que je peux trouver mon père? Hé! Hey, je ne comprends plus tout ce que tu parles. Pardon, parle en langue que je peux facilement comprendre. Me dire où est-ce que je peux aller trouver mon OG? Hé! Pardon, parle la langue que je peux être capable de te saisir. Là, tu m'embrouilles de plus. Mais à ce qui concerne ton père, nous parlerons de ça après. Mais ça, c'est ta maison, cette parcelle. Je veux voir mon OG. L'homme de l'étranger. Je veux voir mon OG. Un Canadien au Nigeria. Je veux voir mon OG. Un Canadien. Fiston, c'est bon. Comme toi. Non. Comment dois-je me calmer? Mon couronnement a été annulé. Parce qu'un fumeur de chanvre est venu ici, se proclamant mon demi-frère. Et comment tu veux que je sois calme? Qui a fait ça? Elvis, c'est bon. C'est la raison pour laquelle je te demande de te calmer. Ne t'en fais pas, fils. Tu y es l'héritier de ce trône. Que les gens le veuillent ou non, tu es le roi. Mais la seule chose que je dis, c'est sois calme. Les anciens ont stoppé avec ton couronnement parce qu'ils essayent de gagner le temps pour résoudre le mystère. C'est tout. C'est pourquoi sois calme. Je ne peux pas me calmer parce qu'il y a quelqu'un qui a l'intention de prendre ce qui me revient de droit. Ça, c'est une gifle sur mon visage. C'est vraiment une insulte. Je ne vais pas gober ça. Elvis, sois calme. Ah, vraiment. Ah. Oui, je suis revenu. Où se trouve mon OG? J'ai besoin d'une réponse. Où se trouve mon OG? J'ai besoin d'une réponse d'abord. Non, mon fils, sois d'abord calme. J'ai besoin d'une réponse. Assieds-toi ici. Où se trouve mon OG? J'ai besoin d'une réponse. Tu m'as dit que tu cherchais la réponse. Je vais te dire plus. Assieds-toi ici. Bienvenue. Merci beaucoup, mon fils. Oui. Il est mort 2 mois après. Et il est enterré ultérieurement. Tu as dit... Hey, c'est quoi ça encore? Pardon, calme-toi. C'est quoi ça?
Pardon, mon fils, sois calme. Calme-toi, mon fils. Calme-toi, hein, calme-toi. Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est quoi Allô? C'est quoi ça encore? Donc ça veut dire que mon Oji a été enterré sans me voir. Quoi? Mon Oji a été enterré sans me voir. Je n'écoute pas. Donc mon père a été enterré sans J'ai écouté maintenant, c'est ça. Il y a déjà 2 mois passés qu'il était mort. Et il était enterré ultérieurement. Alors, concernant notre tradition, nous étions prêts qu'il soit remplacé par son fils, Prince Elvis, avant que tu viennes nous interrompre. Quelle merde. Mon intention était de voir mon père, tu sais. Tu sais, ça faisait longtemps. Et j'étais venu pour le voir. Je n'entends pas. Hey. Je crois que tu ne sais pas qui sont. Parce que tu n'es pas de notre pays. Parce que quand mon père venait de l'autre côté là-bas, il avait l'habitude de sortir avec moi. Qu'on aille un peu s'amuser ensemble. Et maintenant tu me dis que mon Oji est mort. Que vais-je dire à Jay-Z? Que vais-je leur dire tous? Pardon, mon fils, tu as bien fait de rentrer à la maison. Ce n'est pas tard, tu es venu au bon moment. Oui, tu es aussi le candidat pour le trône. Expliquez-moi, expliquez-moi. Ce que j'essaie de dire est que... Expliquez-moi. Ok, permets-moi. Expliquez-moi un peu tout ça. Maintenant tu as bien fait. Je t'ai dit de parler en langue que je peux facilement comprendre. Ce que j'essaie de dire est que... Tu es venu au bon moment. Tu es venu au temps de joie. Non seulement ça, tu y es venu pour que vous soyez à deux avec ton frère. Prince Elvis, parce que l'un de vous doit être couronné roi de ce royaume, de ce grand royaume. Alors, bienvenue mon fils. Bienvenue. C'est quoi ça encore? Non, 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 ne pleure pas, ne pleure pas, c'est fini. Non, non, calme-toi, c'est fini. Ne pleure pas, c'est fini. Sois calme, ne pleure pas, mon fils, sois calme, ne pleure pas. Hé, qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi. Oh. Dites-moi. Oh, mon Dieu, oh, oh, non, oh, vraiment. Qui est là? Et qui est là? Donnez-moi un gobelet d'eau. Oh. Joy. Papa. Donne-moi un gobelet d'eau. Sois le bienvenu. Et papa, comment était le... Qui a été élu? Le couronnement. Le couronnement a été annulé. Annulé, papa? Oui. Mais pourquoi? Un problème est arrivé au palais aujourd'hui. Assieds-toi comme ça, je vais bientôt parler. Juste au moment où j'étais sur le point de couronner le prince Elvis, il y a quelqu'un qui fait son entrée et se présenter comme le fils du roi. Le fils du roi? Oui. Donc le roi est notre fils? Oui. Et peut-être la fille de notre femme. Ça, c'est le résultat d'un amour triangulaire. Et avec cela, nous étions obligés de suspendre le couronnement. Eh oh, papa, c'est un grand problème. Oh. C'est tragique. Vraiment, vraiment tragique. Je suis là, ma fille. Mais papa, j'ai une question. Ok. Est-ce que Prince Elvis sera couronné? Ils doivent se concerter eux-mêmes. Tu comprends? Avant que nous sachions qui deviendra le roi. C'est compliqué. Nous sommes dans le trouble. C'est vraiment du trouble. Un grand trouble dans cette famille. Un très grand trouble. On ne s'en revient plus. Nous sommes dans le... Alors, tu as préparé quoi? J'ai vraiment faim. Laisse-moi aller te trouver de quoi manger. D'accord, fais vite. Ah, papa, ceci est une très mauvaise... Vraiment une mauvaise nouvelle. Une nouvelle chaotique. Je vous salue, mes anciens. Merci, Ono. Notre tradition demande que quand il y a un problème, on se réunisse. Vraiment, c'est ça. Alors, je n'ai jamais été confus et impréparé comme ça. Nous avons un problème pendant comme celui-ci. Et ma question est la suivante. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce n'est pas un grand problème. Je suis aussi vide d'essence. Oh non, tu parles comme s'il y a un problème ici. À ce qui me concerne, ce problème est vraiment simple que vous ne le pensez pas. Comment? Bien, bonne question. Il est clair que le roi a 2 garçons.
La chose la plus mieux est seule de savoir qui est grand. C'est celui-là qui sera couronné roi. Entre les deux. Entre les deux. Ok. On couronne les personnes rois. C'est ce que même notre tradition nous demande de faire. C'est facile de dire que de faire. D'ailleurs, rien ne prouve que ces messieurs appartiennent au roi. Son éligibilité est vraiment remise en question. Ichedike, ne dis même pas ça. Il y a tout moyen qui va nous prouver que c'est son fils. Oui, ma sœur était mariée, proprement mariée, au roi, comme toute autre femme dans cette communauté. Alors, nous allons le découvrir. Ido. Oui, monsieur. C'est comment? Monsieur, je suis là. Comment tu me passes comme ça sans se saluer? Pourquoi vous m'appelez? Gardez votre salutation pour vous-même. Mon prince, je ne savais pas que vous étiez si méchant comme ça. Plus que même les dieux qui m'ont créé. Si ce n'était pas à cause de ma sœur qui avait plaidé en ta faveur, je serais déjà venu au palais depuis longtemps. Et je sais que tu ne serais jamais rêvé de ce que j'allais faire. Donc tu es celui qui est responsable de cette grossesse depuis tout ce temps. Et tu t'es mise à la regarder de très loin comme si tu étais innocent. Tu étais ridicule et tu n'as rien fait. Est-ce que c'est comme ça? Laisse vraiment que c'est comme ça. Laisse-moi te dire, si tu penses que l'envoyer à l'étranger va te faire pardonner tes péchés, laisse-moi te dire que tu mens. Et tu te trompes parce que je ne te pardonnerai jamais, jamais dans ma vie. Menteur. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois comprendre. Est-ce que ça peut arriver jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce que tu vas faire? La manière avec laquelle tu parles. Mmh. Tu as débordé. J'ai besoin que tu me comprennes. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées au même moment. Je ne savais pas quoi faire. En plus, je ne devrais pas perdre le trône. Oui, tu n'as juste pas voulu. Tu n'as juste pas voulu perdre ton trône. Ne sais-tu pas que tout ceci a foutu ma famille en l'air? Hein? Tu ne sais pas. Oncle, c'est la raison pour laquelle je venais te voir. Tu venais me voir? Oui. Voir pourquoi? Pourquoi tu veux me voir? Oncle, je m'étais décidé d'agir vraiment comme un homme. Mmh. Oui. J'ai besoin de prendre ta soeur en mariage. Mmh. Faire de lui ma femme réelle, mais pas une concubine. Oh, tu viens imposer ma soeur. Ça, c'est... Et tu parles maintenant comme un homme raisonnable. Laisse-moi te dire la vérité. Quelle est la meilleure décision que tu y as prise depuis que tu y es né? Je pense que désormais, ce fils peut... Et t'entretiens. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'avoir la liste de la dot. Mmh. Oui. J'ai besoin de ton aide. De l'aide? Quel genre d'aide tu veux? Sûrement, je partais chez toi pour qu'on puisse s'asseoir ensemble. Faire l'arrangement de manière à ce que nous puissions payer la dot. Mmh. J'ai besoin de faire d'elle ma femme. Mais pardon. Je veux que ce mariage se fasse entre toi, moi et Obi. Pas une autre personne, même ma mère qui est la reine. Je ne veux pas qu'elle le sache. Peut-être après l'arrangement de mon mariage, je vais décider comment te nommer un membre de mon cabinet. Il n'y a pas de problème. Si seulement tu es prêt, même maintenant, nous pouvons partir. Ok. À tout moment que tu seras prêt, fais-moi signe, je serai disponible. C'est bien, merci beaucoup. J'avais dit, j'étais en route vers ta maison. Alors amène-moi chez toi, comme ça on peut aller jusqu'à quitter. Prince, tu as un chez toi, moi aussi j'ai un chez moi. Alors permets-moi d'aller finir. J'insiste, amène-moi chez toi. J'insiste que tu ailles, moi je veux aussi où je vais. Je dois aller voir mon piège, j'avais mis quelques pièges là-bas. Viens s'il te plaît. J'insiste. J'insiste s'il te plaît, laisse-moi faire. Bien. Ichiane. J'espère que tu es en train de nous dire la vérité. J'espère que tu n'es pas en train de fabriquer toute cette histoire juste pour faire de ton fils le roi. Il est temps de nous dire vrai. Pourquoi je dois fabriquer telle histoire? Enfin de vous tromper, mes frères. Je savais que les jours comme celui-ci viendra. C'est pour cette raison que j'avais bien gardé ces papiers. Prenez. Ichiendo. Regardez-les. Ça est là. Ichiendo. C'est l'un de preuves. Regardez-les. Je le savais. Un jour comme celui-ci viendra. C'est vraiment son écriture, ou? C'est l'écriture du roi. Ichiendo. Ichiendo.
Nous avons vu l'évidence que tu nous as proposée, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas suffisant. Il faut une histoire. Je ne gobe pas ça. Il vous dit la vérité. Le roi l'a affirmé. Le roi m'en a parlé seul quand il était vivant. Il vous dit vrai. Onoru, je ne te comprends pas. Je dis. Et quel est ce roi qui t'a parlé de ça? Parce que tu dis que le roi t'a parlé. Alors s'il te plaît, je vais demander. Y a-t-il autre chose que le roi t'avait dit? Que tu ne veux pas nous dire ici? Devrais je te dire tout ce que le roi m'avait dit avant de mourir? Oui, tu es obligé. Je ne vais pas Les anciens sont d'accord de faire leur propre investigation pour savoir qui est grand entre vous deux. C'est celui-là qui sera couronné roi après l'investigation. Écoute, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Ça vient d'où encore? Tu dois aller voir un oncle qui reste encore aux États-Unis d'Amérique. Il te donne ok. Oui. Oui, je suis ton oncle, je sais. Je suis l'oncle. Oui, tu vois. Parler d'être un Africain et être le roi ou quoi que ce soit, je ne suis pas intéressé dans tout ça. Tout ce que je voulais, c'était voir mon père. Je ne suis pas intéressé par tout ça, mais je n'étais qu'intéressé par voir mon père. Je n'ai rien à voir et aucun intérêt avec tout ça. Mon plan avec ça, c'est de développer la communauté de mon père. Tu sais, j'avais un plan de faire de cette communauté une communauté qui ressemble aux États-Unis où on rencontre Jay-Z et tous les autres grands musiciens. Essaye d'aller là-bas, tu verras comment c'est. Merci, je t'ai entendu, Mena. Tu as raison. Nous sommes en train de parler concernant ta naissance. Il faut que tu saches que depuis tout ce qu'on parlait jusqu'alors, nous sommes en train de parler comment couronner les rois. Non. Ce que je veux, c'est emmener la communauté hip-hop. Je veux emmener la communauté hip-hop. Après avoir devenu roi, tu peux amener tout ce que tu veux. Je veux emmener la communauté hip-hop. Toi aussi, tu peux être hip-hop. Qui? Moi? Oui. Hip-hop. Jay-Z est hip-hop. Le hip-hop veut simplement dire tout ce qui regorge le rap. Et tous les autres styles du voisinage, tous les autres styles de musique. Et tu sais, nous pouvons aussi ressortir de jeunes talents. Toi aussi, tu peux devenir hip-hop avec tes cheveux tressés. Mais je sais que le hip-hop est le meilleur style qui puisse exister au monde. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? C'est le meilleur style. Et quand je viendrai avec les OG, je te jure que je vais aussi te pousser au fond. Et tu deviendras aussi un très grand OG qui pourra même enseigner les autres. Et tu sais, j'ai aussi payé d'autres artistes nigériens. Et quand ils arrivent devant, ils commencent à faire « Ah !» Hé, je t'ai apporté la vérité, tu vois. Nous parlons concernant tradition et culture. Il faut s'intéresser. Comme tu es rentré, il faut embrasser la culture. S'il y a encore quelque chose que tu peux faire, cela ne posera pas problème. Écoute, ce que je veux, c'est que nous tous soyons gros de membres de l'hip-hop. Je veux que nous tous soyons membres de l'hip-hop. Ce n'est pas un problème. Et on peut faire comme en ville. Ce n'est pas un problème. On peut faire comme en ville, oncle. Je suis désolé pour ça. Faire comme en ville. Hé hey. Je forme tous les OG dans cette communauté afin que je les apprenne sur le rap, aussi sur l'hip-hop. Et non seulement que ça sera ça, c'est vrai que je vais les enseigner cette bataille, mais aussi comme tu es mon oncle, tu seras aussi parmi. Et je sais que tu vas te retrouver. Ok. Je veux que tu sois parmi. Ça sera vraiment bien. C'est gentil de ta part. Alors mon projet d'emmener ici une communauté hip-hop. La communauté hip-hop. Je ne veux pas que l'Afrique reste dans son état. Je veux que ça bouge. La communauté hip-hop. C'est qui là? Je vois l'hip-hop de Foucault. Je vois l'hip-hop aller très loin. Depuis que tu parlais de hip-hop, finalement c'est quoi? C'est quoi hip-hop? Tu parles de pas, pourquoi? Je ne comprends pas. Parle-moi en langue que je peux comprendre. Le hip-hop veut seulement signifier une mentalité qui vient avec sa musique. Et tu sais, nous sommes légendaires aux États-Unis.
Et tu sais, c'est ça le rap. Quand nous parlons du rap, c'est ça le rap. C'est vraiment ça le rap. Quand tu prends ton... Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je t'ai dit de bien me parler à un langage que je peux comprendre. Sinon, je suis dans l'impossibilité de te comprendre. Si tu me parles en langue maternelle, je peux te comprendre. Mais sinon, tout ce que tu dis, je ne comprends rien. Ça passe, ça n'entraîne même pas. Je ne comprends pas. Mon frère, les servantes m'ont dit que tu rejettes la nourriture. Pourquoi? Je n'ai pas faim. Oh, mon frère, arrête. Tu l'as dit, ça fait 3 jours maintenant. Tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne peux pas te tuer, c'est quoi ça? Tu ne peux pas me dicter les choses que je dois faire. Excuse-moi. Mon frère, tu dois... Ça va. Ma princesse, je suis vraiment désolée. J'étais à la ferme tout au long de la journée. En passant, comment vas-tu et tout le monde dans le palais? Je veux bien. Mais le palais? Le palais ne va pas bien. Mais que veux-tu dire par là? Tu sais, depuis que toutes ces choses ont commencé, chacun de nous est à son coin. Il n'y a pas de communication. Personne ne rit abondamment. Pas de sourire. Tout le monde réagit comme s'ils étaient des étrangers. Alors ça me dérange. Je suis fatiguée. Tu sais, je te comprends trop bien. Hein? Mais comment? Je voulais dire, comment le prince Alvin a-t-il reçu la nouvelle? C'est un humain. Il refuse de parler aux gens. Akudo n'est pas un bon ami. Ça me fait très mal. Ma princesse, je comprends tout ce que tu ressens. Mais tu dois d'abord te calmer. Oh, je veux que tu saches ceci. Ceci est le moment où toutes choses doivent nous plaire. C'est vrai? Oui. Hein? Tu iras mieux. Fais-moi un sourire. C'est ma princesse. Ok, j'ai préparé une nourriture spéciale pour toi. Oh. J'insiste, laisse-moi prendre un peu pour toi. Ok, oh. Merci. Mon téléphone, s'il te plaît. Arrange très bien ton poignet. Isaï. Alors arrange bien. Isaï. C'est bien alors. Isaï. Alors voilà. Isaï. Nous te couronnons roi de notre royaume. Alors, tu en as la responsabilité. Isaï. Maintenant, par le pouvoir qui m'a été légué comme le Honorou de ce royaume, je te... couronne Wanalogo A du royaume Aliké. Isaï. Que l'honneur te revienne. Isaï. Et je te fais porter Isaï. Cette couronne par Isaï. Les ancêtres et tous les dieux. Isaï. Prends Isaï. Ça. Aliké Kweno. Ya. Zwanu. Ya. Kwonu. Wo. Ezibon so bodi o imanesi bon so badigo.
Ndise banyu na manesi bonso bwa paitebe Esi bonso bu ndiyo imanesi bonso bwa digo Esi bonso bwa digo Obyesa sarugoku Osarugoku Eba na sisi kepwese Donc, c'est la vérité? Et qu'est-ce qui est vrai? Que tu deviens petit à petit un drogué. Mon amour, tu n'es plus le même. Bien sûr, tu as perdu le trône, mais tu ne peux pas te perdre toi-même. Tu y as ta famille et tu m'as moi. Le peuple t'aime et s'inquiète à ton sujet. Pourquoi tu te fais ça? Je t'ai connu comme étant un homme fort. Pourquoi le trône peut déterminer ta joie? Ceci n'est pas convenable. Et tu sais très bien que tout ce que tu fais est en train de m'affecter. S'il te plaît, tu peux arrêter cela. Tu n'es plus le même. Merci. Nous ne sommes pas ici pour me remercier. Mais tu dois seulement changer tes habitudes. Arrête ça. Merci. Mon amour, s'il te plaît. Merci. Je pense que tu n'as même pas encore mangé. Quel genre d'insulte comme ça? Comment un petit garçon qui a été couronné ce jour-là ne fait attendre pendant des heures? Sommes-nous inutiles devant lui? Ichiendo, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Calme-toi. Ne lui demande pas de se calmer. Ne lui demande pas. Nous sommes ici depuis des heures. Et le roi ne s'est toujours pas présenté. Oh non, que signifie tout ceci? Mes distingués anciens. Vous savez, je sais très bien comment vous vous sentez. Je sais très bien comment tous vous vous sentez. Mais je nous conseillerai de faire preuve d'un peu de patience. Il doit avoir une raison normale pour le retard. Vous comprenez? Calmez-vous. Faites preuve d'un peu de patience, hein? Prenez votre mal à patience. Je sais comment vous sentez. S'il vous plaît. Oh non, c'est déjà des heures. Je sais, je sais. Ichie, calmons-nous seulement. Ok. Pas de problème. Onye ga abuzi eze eberebe even kene no karia malu allow me make I sit on my throne oche eze lebo no bulu roa onye ga abuzi eze eberebe allow me make I sit on my throne eh comment est-ce que vous allez tous comment est-ce que vous allez dites-moi qu'est-ce que vous voulez me dire. Dites-moi ce que vous voulez, Monsieur. Égouin, premièrement, nous ne sommes pas heureux le fait que tu nous as fait attendre pendant plus de 3 heures. Ce n'est pas bien que vous fassiez attendre tous les membres du cabinet comme ça. As-tu fini? Oui, j'ai fini. Non, la première question ici, c'est qu'est-ce que vous faites ici? Dites-moi, mes dégâts, que faites-vous ici? De quoi parle-t-il? Non, dites-moi, que faites-vous ici? Répondez-moi, que faites-vous tous ici? Ils ne peuvent pas répondre. Mais non, non. Que faites-vous ici? Répondez-moi tous, que faites-vous ici maintenant? Mais de quoi parle-t-il? Je n'arrive pas à comprendre. Êtes-vous des non. géants? Je ne le suis pas. Dites-moi, êtes-vous des géants? Vous comprenez ce qu'il dit? Il ne parle pas clairement. Ok, ce que nous essayons de dire, c'est que je suis l'honneur de ce royaume. C'est à ce titre que j'essaie de vous donner un conseil. C'est à ce titre que tu essaies de me donner un conseil? Oui. Et qui es-tu exactement? Qui es-tu exactement? Juste l'Honoru. L'Honoru? Oui. De qui ça? De ce royaume. Et qui t'a consacré? Qui t'a consacré? Dis-moi qui t'a consacré, Honoru. WWE, dis-moi qui t'a consacré. Dis-moi qui t'a consacré. Ce sont les gens qui ont fait que vous soyez roi, qui ont fait de moi aussi, Honoru. Ça veut dire que qui a le plein pouvoir sur tout ce royaume? C'est vous, c'est vous. C'est bon, donc peu importe ce que je dis, tu le sais. Ok. Je peux te retirer ces titres de nous et tu sais que je peux le faire. Ok. C'est bon, nous avons un président et nous avons un vice-président. Ça ne veut pas dire que le vice-président il est président. Le vice-président ne peut pas dire au président quoi faire. Est-ce que tu m'entends?
C'est le président qui supervise tout. Ce qui veut dire que je suis celui qui supervise tout dans ce royaume ou peu importe ce qui est dans ce royaume. Donc ça veut dire que moi, je suis le président. Je suis moi-même le seul qui suis le roi. Et c'est moi qui contrôle tout dans ce royaume. Ce n'est pas toi. Donc quand je dis ce que j'ai dit, ça reste comme ça. Alors quand je vous dis que est-ce que vous êtes en train de blaguer, c'est parce que je vois que vous êtes en train de dire de bêtises. Quand je dis non, personne ne peut me dire oui. Je suis le seul à dire ce que je pense aussi. Vous savez, je reviens de la Californie. Vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire. Donc vous allez dire de bêtises en ma présence. Maintenant là, si je me tiens ici, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire si vous me voyez me tenir là? Qu'allez-vous faire alors? Vous profanez le palais, mon roi. Qu'allez-vous faire alors? Dites-moi ce que vous allez faire. N'importe quoi, ma bande d'imbéciles. Je veux vous informer qu'il y aura de petits changements. Je veux maintenant qu'il y ait un peu de gens, j'allais dire de filles, qui prennent très bien soin de moi ici. De gens qui vont aussi prendre soin de ma propreté. Je crois que tu comprends ce que je dis. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? J'ai fait quoi de mal? Oui, je vois vraiment que tu me comprends. Afin que je puisse faire d'ici aussi comme une ville des États-Unis, surtout là où je me trouvais là-bas, en Californie. Oui, je crois que tu me comprends. J'ai besoin de filles avec qui je vais commencer à passer ces temps, faire ceci avec elles. Je crois que tu me comprends bien. J'ai besoin de ces filles, celles qui vont s'occuper, qui vont très bien prendre soin de moi. Et maintenant là, c'est à ton tour. Toi. J'ai été maîtré là-bas d'ailleurs pour arrêter les voleurs. Et toi aussi également. Vous allez répéter après moi. Quand je dis Pépé-sou, qu'est-ce que vous dites? Pépé-sou. Qu'est-ce que je dis? Pépé-sou. Pépé-sou. Et vous serez là aussi avec moi pour m'aider à trouver ces filles qui vont commencer à trop bien prendre soin de moi. Yeah. Je pense que le boulot commence déjà. Vous pouvez me suivre. Et faites aussi ça. Faites ça. Je vais voir comment vous le faites. Faites-le bien. Allons-y. Je vais voir comment vous le faites. Faites ça bien. On y va. Faites ça. Allez, on continue. On y va. Je veux très bien voir ma danse. N'oubliez pas ma danse. On y va. Tiens. Je vous ai mis en quoi? Non, je vous laisse les mots. Ne criez pas. Je voyais cela. Je savais qu'on ne sait rien. C'est compliqué. Ce n'est pas le roi. Ce n'est pas bien. C'est du danger. On est mort. Tchaï. Vous avez des mains très très dures. Essayez un peu d'adoucir. Essayez un peu d'adoucir. Et vous deux sortez. Oh, merci. De faire, c'est pourquoi vous étiez engagé. Charles, où est ma clé de contact? Je ne sais pas de quoi tu parles exactement. Alors je vais me répéter. Où est la clé de ma voiture? Et avant tout d'abord, de quelle clé de contact parles-tu d'abord? Ma voiture privée. Ta voiture personnelle, bien entendu. Elle est maintenant sous mon service. Je crois que tu l'as compris. C'est maintenant sous mon service. Alors ne m'énerve pas. Où est ma clé de contact? Et si je ne te les remets pas, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Dis-le-moi. Avant tout, tu dois d'abord apprendre à m'accorder, ne serait-ce qu'un peu de respect. Cette communauté m'appartient maintenant. Je crois que tu comprends que je suis maintenant le roi de ces palais. Alors veille sur comment me parler. Je déteste me répéter. Où est la clé de ma voiture? Écoute, je ne sais pas si tu es saoulé ou quoi, et que tu n'arrives pas à me comprendre clairement. Je t'ai dit que c'est maintenant à mon service. Et il n'y a rien que tu puisses faire, garçon. Je ne suis pas ici pour faire des échanges de paroles avec toi.
Où est la clé de ma voiture? C'est sous mon service. Je n'ai plus à me répéter. J'ai déjà tout dit. Charles, fais attention. Sinon, je ferai quelque chose que toi et moi allons regretter. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire, Elvis? N'importe quoi, tout ça. Tout ce que tu sais, c'est venir ici sans m'accorder du respect. Tu n'es que n'importe quoi. Hein? Un petit frère malchanceux. Et c'est ce que tu continueras d'être. Et je te l'interdis une fois de plus. Bien, comment allez-vous? Oui, nous allons bien, notre roi. Hey, restez debout. Le fait que je sois assis ne vous permet pas de vous asseoir. C'est un manque de respect. C'est vraiment un manque de respect. Et je vais vous entendre présenter des excuses pour cette bêtise. Je suis désolé. Dis-les. Je suis désolé. Dis-les encore. Je suis désolé. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mon roi, nous sommes bien. On nous a dit que tu veux... Tu cherchais à nous voir. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Toi, viens ici. Moi? Mais passe par ici. Non, je viens. Tu as vraiment trouvé grâce. Hein? Passe par là. Et arrête-toi là. Dis-moi un peu, qui es-tu? Je suis... je suis ton cousin. Ok, je ne le savais pas et je ne veux même pas savoir. Nche, Ndou. Je ne suis pas intéressé, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas intéressé. Est-ce que c'est important pour ma vie? Maintenant, viens. Approche-toi un tout petit peu. Quoi? C'est quoi tout ça? Quoi? C'est quoi? Les mecs, vous savez ce que je suis en train de faire, vous le savez? Je crois que le roi a raison. Le roi a raison. Il est sale, mon roi. Mais laisse-moi te demander, c'est quand la dernière fois que tu t'es lavé? Je sais, mon roi, je m'étais lavé avant d'arriver ici. Mais tu sens comme si tu as fait 2 ans, mon frère. Tu n'as pas pris ta douche depuis plus de 2 ans. Réponds au roi. N'importe quoi. Et au lieu de faire la bonne chose, tu es là en train de venir seulement ici chercher le roi pour dire n'importe quoi. Oh, le roi, voici ceci, voici cela. Et regarde-toi. Tu n'arrives même pas à trop bien prendre soin de toi. Et regarde comment tu sens très mauvais. Il est très sale, mon roi. C'est compliqué avec lui. Maintenant, écoutez-moi. Arrêtez tout ce que vous dites là et laissez-moi parler. Maintenant, là, prends tes sales pieds et rentre là où tu étais. C'est à moi qui vous adressez. Mais prends-moi tes sales pieds là et rentre là où tu étais. Mon cher, rentre là-bas. Reviens vite. Rentre là-bas, tu es monsieur sale. Et quand on te disait d'être propre, tu ne voulais pas. Reviens seulement. Oh non. Je pense que ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'une personne peut sentir comme s'il a fait 2 jours? Oui, mon roi. Exact. Oui, exact, mon roi. Vous avez raison. Vous avez raison, mon roi. Maintenant, écoutez-moi. Vous tous savez que je reprends le nom de Charles, le roi de concepteur. Qu'est-ce que j'ai dit? Le roi designer. Dites-le encore. Et le grand roi. Je vais faire mieux que ça. Et le grand roi. Dites-le pour la dernière fois. Et le roi designer. Qu'est-ce qu'il y a avec vous là? Ben, vous savez, la vérité c'est que j'aime pas votre manière de vous habiller ici dans mon royaume. Alors je suis là pour mon royaume, et je suis le seul à prendre n'importe quelle décision pour mon royaume, ma communauté. Alors, on fait comment? On reste ici ou on doit déjà partir? Qu'est-ce que vous dites? Regardez vos habits, regardez vos chaussures. Ce n'est pas très bon. Aucune amélioration. Mais quand il s'agit du roi, vous venez tellement parler, dire n'importe quoi. Ce n'est pas très bien. C'est un comportement stupide. Regardez comment vous êtes.
J'ai planifié d'ailleurs de vous emmener aux États-Unis, là-bas en Californie, voir Jay-Z et tout le reste. Et à cause de votre comportement, ces bêtises, vous n'irez nulle part et vous allez mourir ici. Vous allez mourir ici. Vous n'avez même rien. Regardez comment vous êtes. Regardez un peu. Regardez un peu. Vous allez aux États-Unis, ce n'est pas ce genre de style que vous allez voir. Tu verras comment ils sont sexy. Mais ici, ce n'est pas le cas. Écoutez, je suis là pour changer le narratif. Je suis là pour changer les choses. Maintenant là, vous devez maintenant apprendre à aller dans la salle de gym. Vous devez maintenant apprendre à aller dans la salle de gym. À tout moment, ce que vous voulez, c'est le haku, 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 haku. Comment est-ce que vous n'aurez pas un gros ventre avec le haku? Mais en quoi est-ce que c'est mal? Et comment oses-tu me parler? Alors, vous devez quand même cette fois-ci essayer de changer vos repas. Vous devez changer vos repas. Afin que vous soyez maintenant sexy et ayez un ventre plat. Si vous avez un ventre sexy, vous aurez aussi l'air sexy. J'ai dit que si vous avez un ventre sexy, vous aurez aussi l'air sexy. Un roi sexy a aussi des anciens sexy. Maintenant, c'est à vous. Il est temps que vous preniez soin de vous. Et aussi, mes gardes, nous allons tout changer. Est-ce que vous m'entendez? Mon roi, ce n'est pas bien. Tel est notre habit traditionnel. C'est comme ça qu'on doit s'habiller. Et c'est comme ça que la tradition nous le recommande. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire dans mon propre royaume? Je suis l'Onohu. Je suis l'Onohu, le premier ministre. Le l'Onohu de ce royaume. Maintenant, ferme-moi ta bouche. Tu veux que je saute sur toi, hein? Tu veux que je saute sur toi? Alors, ferme-moi cette bouche si tu ne veux pas que je change d'humeur. Tu veux que je change d'humeur? Tu le veux? Tu le veux? Alors ne me dis pas quoi faire. Désolé, messieurs. C'est bon. Faites comme j'ai dit. Faites comme j'ai dit. Garde, je veux aussi qu'ils changent comme vous. Je crois qu'ils ont compris ce que j'ai dit. Maintenant, ils ressemblent à n'importe quoi. Eh, c'est fort. Je risque de succomber. Regarde. Oh non, calme-toi. Vraiment. Allow me, make I sit on my throne. Oh, yes, I have a book. Oh, my God, no, never possess. Oh, yes, I want to start up. Allow me, I want to possess my possession. Oh, yes, I have a book. Comme les anciens. Vous devez maintenant suivre mon style. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, nous suivons ton style. Dites-le encore. Oui, nous suivons ton style. Vous pouvez faire mieux que ça. Oui, nous suivons ton style. Comme une seule personne. Le roi, nous suivons ton style. Comme une seule personne. Le roi, nous suivons ton style. Dites-le encore. Le roi, nous suivons ton style. Dites-le. Le roi, nous suivons ton style. Ne voulez-vous pas aller aux États-Unis? Le roi, nous suivons ton style. Une fois de plus. Le roi, nous suivons ton style. 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 Dites-le encore. Le roi, nous suivons ton style. Et n'essayez même pas d'arrêter. Le roi, nous suivons ton style. Oui, montre-moi maintenant ce que tu sais faire. Je veux un peu voir ce que tu sais faire. Allons-y. Oui, vas-y, continue. Oui, vas-y, tu le fais quand même bien. Allons-y, continuons. Oui, c'est pas mal. Tu as aussi une très bonne hanche. Continuons. Et tu as aussi une très très belle taille. Continuons. Vas-y, continue à marcher et tourne-toi aussi. Je veux voir vraiment si tu sais. Vas-y, il faut que je continue. Continue, vas-y. Je veux aussi voir tes arrières, voir aussi si tu sais bien danser aussi. Twerk, twerk. Vas-y, bouge-moi ça. Twerk, twerk. Vas-y, bouge-moi ça. Bouge-moi ça. Twerk, twerk. Vas-y, bouge-moi ça de la manière de Californie. Ne veux-tu pas aller en Californie? Ne veux-tu pas aller en Californie? Allons-y. Twerk, twerk. Allez, vas-y, bouge-moi tout ça. Twerk, twerk. Maintenant, écoute-moi. C'est ta manière de twerker qui va déterminer si tu vas aller. D'accord. Fais-le de la manière de Californie.
Vas-y, twerk, 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 twerk. Bouge-moi ça, s'il te plaît. Vas-y, twerk aussi pour eux. Vas-y, twerk pour eux. Et dites-moi, comment vous allez? Ne voyez-vous pas que nous sommes en pleine formation? Où elle est en train de twerker? Non, oh non, on part. Est-ce que tu vois ça? On part. Vas-y, twerk pour eux. Oui, vas-y, twerk. Il n'a pas pu supporter tout ça. En tout cas, je vais comprendre que tu es une professionnelle. Tu es une professionnelle. Oh oui. En tout cas, oui, tu y es. Tu l'as très bien fait. Et je vais t'emmener en Californie. Je vais t'emmener avec moi en Californie. Nous allons rester ensemble. Je vois que tu sais très bien faire. Allez, vas-y, bouge ça. Oh. Je t'assure que je vais t'emmener en Californie. Je t'assure que si tu le fais de la bonne manière, je vais t'emmener en Californie. Aïe, oh non. Hey, j'ai vu et j'ai écouté. Tu es témoin de ce que j'ai vu aussi au palais? C'est une abomination. Tchaï, oh non. J'ai vu et j'ai écouté. Hey. Tu es aussi témoin de ce que j'ai vu au palais? Abomination. Ce que ont vu mes yeux. Et très dur que ma bouche puisse en parler. Mon Dieu. Non, mais c'est grave. Oh non. Hein? Sincèrement parlant, je pense que nous avons commis une très grande erreur. Une grave erreur. De couronner un Américain roi. Une très grave erreur. Je ne savais pas qu'on pouvait en arriver ici. J'étais vraiment aveuglé par l'ordre de la mais royauté. Mais tu n'as pas tort. Qu'est-ce mais que c'est? Maintenant là, je pense qu'il est au-delà de la lumière. Je te jure. Je te jure. Il a débordé. Hey. Nous ne pouvons pas croiser les bras, lui laisser diriger les choses de cette manière. Dans le palais. C'est ce que toi tu as vu. Je te pose une question. Toi aussi tu es témoin de ce que moi aussi j'ai vu. Je dis oui, tu as vu. Pas de commentaires. C'est bien comme tu as vu aussi. C'est grave. Itché, nous avons commis une très grande erreur. On ne va plus tolérer ce genre de bêtises. Ce n'est pas normal, notre style. Hein? Regarde comment nous sommes en train de nous habiller. Est-ce que c'est normal de notre rang? Ce n'est pas notre erreur. Le roi veut assez que nous portons ce genre d'habillement. C'est ça le style des Américains. Hey, c'est ce qu'il a voulu. Ah, ce n'est pas un problème. Hey, comment ma fille, viens. Oh non, viens ma fille, viens. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes, d'accord? On m'appelle Stone et mon frère ici, Negé. Alors, comment tu vas? Alors, n'aie pas peur, c'est quoi ton nom? Ne sois pas effrayé, d'accord? Viens. Écoute, ne sois pas effrayé, d'accord? Nous ne faisons jamais du mal aux gens. Et d'ailleurs, tu es très jolie, c'est quoi ton nom? Joy. Joy, ouh, un joli nom. Hey, baby Joy, tu vis dans les environs? Bien, nous sommes juste venus passer ici pour voir quelqu'un. Ben, on vient après, tu peux partir.
quand est-ce que le roi viendra? Tu es supposé connaître quand toi, est-ce qu'il viendra. Tu es supposé connaître quand il viendra. Patiente-toi un peu alors. Oui, mais voici, je suis là maintenant. Ingwe. Hey, dites-moi, comment est-ce que vous allez, vous tous? Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Comment allez-vous? Et je veux que vous répondiez à cela. Nous allons bien. Okay. Comment allez-vous? Isa. Comment allez-vous? Isa. Comment allez-vous? Isa. Oui, en tout cas, c'est ce que j'aime. Vous avez quand même compris. Et maintenant, cette fois-ci, vous devez apprendre à réagir attentivement. Qu'est-ce que j'ai dit? Réagir attentivement. Qu'est-ce que j'ai dit? Réagir attentivement. Qu'est-ce que j'ai dit? Réagir attentivement. Vous avez compris. Oui, je suis très content maintenant de votre manière de vous habiller. Je crois que je vous avais dit qu'on va tout changer. Et c'est quoi ton problème? Pourquoi continues-tu à mettre ceci? Votre Majesté, tel que je vous l'ai dit la fois passée, cet habit n'est pas supposé être tel que la tradition. Peux-tu fermer ta bouche? Donc c'est maintenant toi qui prends des décisions ici. C'est maintenant toi qui prends les décisions, hein? Non. C'est toi qui dirige maintenant ces royaumes. D'accord. Et c'est toi qui me dis quoi faire dans ces royaumes. Et c'est qui le roi de ce grand royaume? C'est vous, c'est et vous. Et dis-moi maintenant qui dirige ce royaume, toi. Wouah! Dis-moi qui dirige ce royaume. Écoute, hey. La prochaine fois que je te demande de faire quelque chose, tu dois le faire, sinon tu sais ce que je ferai. Pardon. Ou sinon je vais tirer sur tes orteils. Je vais tirer sur tes orteils maintenant. Je vais tirer sur tes orteils. Pardon. Garde. Messieurs. Vous pouvez l'arrêter. Je suis en haut. Égoué, je suis en haut. Dites-le s'il vous plaît. Pardon. Oh non, toi aussi tu veux seulement parler. Tu vois maintenant comment tu te crées des problèmes. Jeune fille, pourquoi est-ce que tu pleures? Hein? Et parle-moi s'il te plaît, dis-moi pourquoi est-ce que tu pleures? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais parle-moi! Il a abusé de moi! Oh non! Il t'a violé qui? Non mais parle-moi, non, qui t'a violé qui? Le garde du roi! C'est santé qui m'ont pris! Le roi? Quel roi? Le roi Charles! C'est idiot! D'accord, Joyce, on rentre à la maison. D'accord, ce n'est pas un problème. Rentrons à la maison. Je suis désolé pour tout. Je suis désolé. C'est idiot! D'accord, merci. Il n'y a pas de problème. Je vais en finir avec cet idiot. Et il trouve que c'est toute femme à violer. Et il pense que toutes les femmes sont à violer ici, à qui l'attendent. On rentre à la maison, Joyce, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je vais en finir avec lui. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de problème, Joey. Rentrons seulement. Quand je verrai cet idiot, je vais les gifler. Mon roi, actuellement, je me dirigeais vers le palais. Y a-t-il un problème? Non, oui, mon roi, j'ai besoin que nous parlions. Tu sais que je suis ton oncle. Et c'est mon devoir de vous porter la correction quand vous commettez des fautes. Vraiment désolé de ce que j'ai dit parce que la façon dont tu es en train de nous diriger, tu fais beaucoup de gaffes. Honnêtement, tu n'agis pas comme un roi que vous êtes. Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Écoute un peu, tu as quand même ce courage de sortir de bêtises de ta bouche. Donc peux-tu même sortir de bêtises de ta bouche? Tu vois, tu n'agis pas bien, tu n'agis pas comme un roi. Écoute, si seulement tu n'étais pas un membre de ma famille, si seulement tu n'étais pas un membre de ma famille, tu sais ce que j'allais déjà te faire. Sais-tu ce que j'allais te faire? Sais-tu ce que j'allais te faire? Tu sais ce que j'allais te faire? Sais-tu ce que j'allais te faire? T'envoyer t'asseoir
au milieu de prostituées afin de faire de bêtises. Faire de bêtises. Dieu pour d'agneau et manesse bon soubudio. Et si bon soubudio et manesse bon soubandigo. Et si bon soubudi. Obiesa salugoku. O salugoku. Et ben non si si que pouese. Ara pour d'agneau na manesse bon soubandigo. Et si bon soubudio et manesse bon soubandigo. Et si bon soubandigo. Obiesa salugoku. O salugoku. Tu allais rester avec les prostituées. Tu allais rester avec les prostituées. Regarde-moi d'abord tes chaussures. Laisse-moi te dire que tes chaussures ne sont pas jolies. Ne peux-tu pas changer de chaussures? Ne peux-tu pas changer de chaussures? Ne peux-tu pas le changer? Ne peux-tu pas le changer? On a où tu es où? On a où? On a où? Sors, sors. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? Le roi a ordonné qu'on exécute mon père. Exécuté? Oui. Pourquoi? Parce que mon père s'est opposé à lui à cause de cette terre qu'il a vendue aux étrangers. Le roi a demandé à ses gardes de le saisir et l'ont exécuté. Oui, pendant le noyau de mon père. Parce que si toi et moi allons là-bas, il va nous exécuter tous. Hé, au noyau de mon papa, pardon. Il n'est même pas question de se mettre par terre, mais si nous deux on part là-bas, il va nous exécuter. Je veux que tu partes à la maison. Non, tu vas aider mon papa. Vous étiez des bons amis, vous étiez des bons amis, ne les laisse pas mourir. Non, mais je sais tout ça. Mais je ne peux absolument rien faire pour ton père, hein. Si je pars là-bas, il va ordonner à ses gardes de m'exécuter aussi. Je ne veux pas aller. On a où tu es rentré à la maison? On a où? On a où? On a où? On a où tu es rentré? Tu vas venir me trouver si je n'irai nulle part. On a où? On a où? Reviens. On a où? On a où? On a où? Je vais me mettre ici. Tu vas venir me trouver ici. Je n'irai nulle part. Ça, c'est quel genre de bêtise? Trop, c'est trop. Je dois affronter ces messieurs Ulin, quelque manière. Hein? C'est chaque jour qu'il y a un problème qui naît. Si ce n'est pas le fait d'avoir violé une fille, demain ce sera il a escroqué une parcelle. Hein? Peut-être qu'il a encore violé quelqu'un. Et il est le seul à avoir vécu en Amérique. Et amen. Il a même eu le luxe de violer ma fille. Hein? Je me dois le droit de lui parler. Je dois lui parler. Même si il veut me tuer. En tout cas, qu'il me tue. Il n'est pas bon de vivre comme un homme mort. Vaut mieux mourir seulement. Yemen, et ceci, et cela, California. Ce ne sont que de bêtises, des conneries. C'est pas normal. C'est quoi ça? C'est quoi vraiment? Je vais lui parler. Rentrez. Alors, ce n'était qu'un rêve. Hein? Que peut signifier ceci? Merci au Dieu que ce ne soit qu'un rêve. Je ne peux pas l'amener réel. Je sais que je suis d'accord avec toi, mais pour ce cas particulier, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne peux pas te permettre d'aller habiter au palais quand tu ne sais pas ce qui se passe au palais. Je te conseillerais de bien rester avec moi. Reste avec nous ici. Tu restes seulement ici avec nous, pour ta sécurité. C'est ça qui me concerne beaucoup, pardon. Écoute, ce n'est pas ce à quoi je pense. Je n'appartiens pas ici. Tu comprends ce que je dis? Je n'appartiens pas ici. Et cet endroit ne peut même pas être comparé aux écoles de mon état. Il ne peut même pas être comparé aux écoles de mon état. Tu comprends? Écoute,
Tu sais d'où est-ce que j'appartiens? J'appartiens à mon père. J'appartiens à la tribu de mon père. Et c'est pourquoi je suis obligé de partir là-bas. Je n'ai pas peur pour ça. Je n'ai pas peur pour tout ça. Je ne m'engage pas à discuter avec toi. Ce que je dis maintenant là est que pour le moment, tu dois d'abord éviter les palais. Sois d'abord ici. Hein? Reste ici. Reste avec moi ici parce que je ne veux pas aucun mal t'arrive. J'ai perdu ta mère et je ne suis pas prêt de te perdre aussi. Oui, tu as raison. J'étais trop bien compris. J'étais trop bien compris. Mais nous devons quand même nous lever pour ça. Ah, mon Dieu, c'est quoi ça? Mais le problème, qui est-elle? Qui est-elle? Elle là, c'est qui? Hey. Oh, sois la bienvenue. Bienvenue à toi aussi. Cynthia, c'est comment déjà? Où est cet endroit? Oui, c'est la maison. Rien n'est plus mieux que chez soi. Ici, nous sommes au Nigeria. Je sais que nous sommes au Nigeria, mais exactement où? À la maison bébé. Allons, maman. Ceci doit être le musée du Nigeria. Papa nous a amené voir le musée du Nigeria. C'est quoi ce bêtise? Après un long et dur voyage, tu es supposé nous amener à prendre un bon pain et un bon repos. Mais pas dans une forêt? Mon amour, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas un musée, c'est ici la maison. C'est vrai que ça ne ressemble pas à la Californie. J'espérais au mieux, mais on n'a pas de choix. Allons-y. Hein? Ma chérie. Quelle bêtise! T'es sérieux? Il n'y a aucune façon que je veux rester dans cet environnement. Ok, écoute-moi, je vais tout arranger. Je veux pas rester ici. Amène-moi et ma fille hors de cet environnement. Dis-moi où est-ce que tu vas maintenant aller maintenant. Dis-moi où est-ce que tu vas aller maintenant. Non, chérie, dis-moi où vas-tu partir maintenant? Où iras-tu? Non, chérie, dis-moi. J'aime pas ici. Oh non, je vous écoute. Si je peux vous demander, ça, ce n'était pas un rêve. Ça, c'est vraiment une révélation. Ah bon? Oui. Regarde, si seulement nous faisons de ces messieurs-là notre roi, nous n'allons pas vivre. Nous allons tous mourir. Il est vraiment mieux que nous puissions arrêter cette bêtise. Ici, Ogo. Oh non. Il y a un très grand problème. Alors, c'est quoi le problème? Avant que le roi ne meure, il m'a appelé seul sur son lit de malade. Avait ordonné que peu importe quand il viendra, que le trône lui soit rendu. Oh non. Hein? Attends, mais de quoi parles-tu? Qui vient après qui? Dis-moi un peu. C'est aussi absurde. Ce que je cherche à te dire, c'est que selon le roi, Prince Charles et Prince Elvis ont été nés le même jour. Mais Prince Charles est venu 12 heures avant que le Prince Elvis ne vienne. Oh non. Hein? Ça fait automatiquement que Prince Charles soit plus grand que Prince Elvis. Prince Elvis. C'est ce que je cherche à te dire. Selon le roi. Aïe. Oh non. Hein? Ça, ce n'est pas du tout une bonne histoire. Comment on va faire alors? On va faire quoi? Comment on va faire? Comment on va faire? Ce n'est pas du tout bien. Vraiment? Hey. Oui, le grand sage. Je te présente ici ma femme, Tess. Et voici aussi ma jolie fille, Cinto. Mais... Merci beaucoup, dit, monsieur. Bienvenue, hein? Bienvenue. Je suis merci. Content. Bienvenue. Bébé, qu'est-ce qu'il fait, Nya? Oui, il essaye de dire... C'est aussi genre une forme de compliment. Je te comprends.
je peux les servir avec quelque chose à manger. Peu importe, amène tout ce que tu as, même le pizza. C'est ça. Non, je peux aller faire pour eux. Non, là tu peux laisser. Hein? Eux, ils adorent le pizza. Ils doivent prendre quelque chose. Ils adorent le pizza. Chérie, tu vas bien? Peut-être que nous pouvons aller chez McDonald's. Bébé, tu préfères toujours le beignet? Oh, ça te va? Ouais, c'est bien. Ok, tu vas faire la cuisine. Pas je de problème. De baigner. Non. Mon fils, prince. Ton défunt père était un grand roi avec un grand cœur. Il a été le premier roi à avoir installé un bon gouvernement dans cette communauté. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Et je voudrais que tu sois comme lui. Il va bien faire. Il va bien faire. Et je voudrais que tu sois comme ton père. Ça sera bénéfique pour nous et la communauté. Alors, Ichi, prenons la bière. Prenons-la. Merci. Merci beaucoup. Le prince arrive. Oh non. Avec tout le respect, qu'est-ce que ces fous font ici? Hein? Prince, calmez-vous. Ne me demandez pas de me calmer. Qu'est-ce que ces fous sont en train de faire ici? Asseyez-vous, mon prince. Je ne peux pas partager un même siège avec mes ennemis. Je vais me répéter. Qu'est-ce que ces fous, cet accro à la drogue et alcoolique, est en train de chercher ici? Prince Elvis, je peux tout accepter de toi, mais je ne peux pas supporter tes insultes. As-tu perdu tes bons sens de raisonnement? À qui tu t'adresses? Quelle bêtise! Non. Qui tous? Prince, s'il te plaît, je t'avais invité ici. Et eux, pour que nous puissions nous réunir ici, afin de résoudre nos différends. Au nom où je n'aime pas me répéter, je ne voudrais pas vraiment me mettre sur un même siège qu'un alcoolique. Alors demandez à ces fous ici assis de quitter cet endroit immédiatement. C'est bon, c'est bon. Je sais comment le régler. Allez-y. Maintenant, avant tout d'abord, en quelque sorte, c'est mon petit frère qui veut l'obtenir. Est-ce que tu me comprends? Ça peut rester mon petit frère qui dirige ce royaume. Ça ne peut pas se faire. C'est une situation qu'on ne peut qu'apaiser. Quelle que soit la grandeur de la situation, on va toujours l'apaiser. Espèce de fils de pute. La tradition, je m'en fous. Alors peu importe soit la tradition, j'ai dit que je m'en fous. N'importe quoi. Donc tu t'attends à ce que ton grand frère abandonne, ça ne marchera pas. Donc que j'abandonne et que tu t'asseyes. Tu sais quoi? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. J'ai dit que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, frère. Ça ne marchera pas. Je te conseille de ne pas me chercher. Ça ne marchera pas, frère. Ça ne marchera pas. Ne me cherche pas. J'ai dit que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est un petit frère par rapport à l'autre. Il doit assimiler. Ça ne marchera pas. Il faut se taire. Ne me cherche pas. Attention, non, laisse-le. Ne me cherche pas. Mes princes, pardon. Dispensez-vous. Ne me cherche pas. Je vous supplie, mes princes. C'est quoi le problème? Quel est le problème avec cet homme? Pourquoi les anciens cherchent des problèmes partout? Tu dois juste te calmer. Tu n'es pas de son niveau. Tu dois toujours te rappeler de ça. Si je prenais Charles entre mes mains, je vais l'écraser ou l'émietter. Nous ne pouvons pas avoir deux trônes pour un royaume. Exactement ce que j'avais dit. Tu n'es pas de son niveau. Tu n'es pas fou. S'il te plaît, permets-lui juste de faire son jeu. S'il te plaît. Allons à l'intérieur, je veux te montrer quelque chose. S'il te plaît, mon amour, ton humeur m'affecte.
S'il te plaît, laisse-moi te montrer quelque chose. S'il te plaît. Dis-moi quelque chose. C'est ce que tu veux que je te rencontre. Pourquoi votre pays est totalement différent du mien? Mon pays est différent de ton pays parce que nous n'avons pas de même culture. Différents continents? Oui. Que veux-tu dire? Tu sais, les Africains, spécialement les Nigériens, nous sommes gérés par la culture et la tradition. Ce n'est pas de cette façon que vous, les étrangers, vous les prenez. Alors, pourquoi la culture nigérienne est moins avancée? Bien, c'est un grand état. Nigeria n'est pas sous-développé, il est au standard, il est développé. Nous sommes le peuple courageux, filles et garçons, jeunes et vieux. Nous avons... le pouvoir de changer les choses comme il le faut. Mais je t'ai dit de ne pas me toucher, ne me touche pas. C'est quoi? Reviens ici. Oh bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as déçu ta fille et moi. Tu nous as dit que tu es le prince du Nigeria. Je touche le prince, femme. Toi, un bâtard menteur. Je t'ai hais à cause de ça. Tu sais quoi? Je retourne en Californie avec ma fille. Et je vais t'envoyer le papier de divorce. Mets ça en tête. Putain. Regarde, O-N-C-L-E. Tu dois dire quelque chose par rapport à ça. Ma fille, calme-toi. Il ne te ment pas. Il est le prince de ce royaume. C'est vrai, il est le prince. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai demandé de rester ici pour sa sécurité, aussi pour ton bien. Je crois fortement qu'après avoir réalisé toutes choses, vous deux, vous irez rester au palais. En aucun cas, monsieur. Hein? Je ne veux plus passer une nuit dans cette prison. C'est dans le palais où je rentre avec ma fille. Ma maison n'est pas une prison. Calme-toi, c'est ta maison. Écoute, ma chérie, c'est pour ta sécurité et la sécurité de ma fille. C'est surtout pour ta sécurité prime et celle de mon enfant. Tu me comprends? Voyons. Pourquoi agis-tu comme ça? Pourquoi agis-tu comme ça? Je n'aime pas cette manière d'agir. Pourquoi agis-tu comme ça? En aucun cas, je peux accepter ça, s'il te plaît. Ok, d'accord, pas de problème. Chérie, viens ici chez moi. Tu n'iras nulle part. Maman, je m'amuse bien ici. Oh. Mon ange, s'il te plaît. Merde. Lorsque le bon moment arrivera, nous aurons tout réglé, bébé. Je n'aime pas ce que tu fais, je n'aime pas. Tu sais, quand je t'avais rencontré, je n'espérais pas que j'allais la voir. Californie. Californie, l'amour de Californie, Californie. Pardon, calme-toi. Notre meilleure vie. Je n'aime pas ces choses. Non, calme-toi, calme-toi. La Californie est notre meilleure ville. Nous irons là-bas. Ça ne me oui, plaît pas. Oui, tu es chez toi. Hein? Ouais, mon bébé me comprend. Nous irons là-bas. Mon prince, il y a quelque chose que vous devez savoir. Qu'est-ce que tu veux me dire? Mon prince, je ne suis pas tenté de vous en parler, simplement parce que c'est un secret. Je ne veux pas que vous perdiez ce qui vous revient de droit, parce que vous êtes un bon monsieur. Oh non, oui. Eichi et nous sont en train de se préparer pour couronner l'Américain le roi. Une correction, Eichi. Il n'est pas mon frère. Un fou de bâtard comme celui-là ne peut jamais être mon frère. Maintenant, dis-moi, es-tu sûr de ce que tu dis, mon prince? Je ne peux pas venir ici pour vous parler de mensonges. Cela ne relève même pas de mon roi. Je vous raconte le fait. Et le comble, c'est que Onohu et l'autre m'ont vraiment fait savoir que, à tout moment, que ton frère, je suis désolé, je parlais de l'Américain, sera couronné roi. Et selon lui, il m'avait dit que
le fait qu'on l'a couronné était l'ordre du roi. Et moi, j'avais dit que je ne pouvais pas prendre part à ceci. Parce que je déteste les traîtres. Grand merci pour l'information, Ichie. J'ai beaucoup apprécié. Je te remercie aussi. Mais je voudrais une chose. Je voudrais que tu te battes pour quelque chose qui te revient de droit. Je ne voudrais pas que tu perdes cette couronne. Moi, j'ai fait ma part. Mon fils, tu es sûr de ça? Je suis beaucoup sûr de ça, maman. Cette information me vient de sources très sûres. Onowu m'a trahi. Je suis vraiment déçu de Onowu. Et je peux même le maudire. Nam, si tu maudis cet stupide homme, ça va se réaliser. Hein? Maintenant je vois la vraie couleur d'Onowu. Mais je t'assure, qu'il le veuille ou pas, ce trône t'appartient. Tu es déjà le roi. Maman, personne, je répète, personne ne prendra ce qui me revient de droit. Oh, c'est ça, fils. Même pas un accro de l'alcool. Bien sûr. Je ne le tolérerai jamais, même s'il venait du ciel. C'est ça. Je ne l'accepterai jamais, même s'il venait des eaux. Ils ne réussiront jamais. Quelle bêtise. Sia. Oh non. Hé Elvis, ça veut dire quoi tout ça? Et pourquoi me bloques-tu la route? Il est vraiment certain que tu as beaucoup murmuré. Mais tu n'as pas honte. Je te dis maintenant que tu es exposé. Dis à Oh non que j'ai dit. Que toi et lui, ensemble, ne pouvez jamais me ravir le trône. Écoute, écoute-moi petit frère. Non, tu n'es pas mon frère et ne m'appelle pas ton frère. Tu n'es qu'un bâtard, un fils de rien du tout et tu ne peux pas m'appeler ton frère. Écoute, si nous étions en Californie, tu allais voir ce que j'allais te faire. En aucun cas tu peux me dire tout ça. En aucun cas, en aucun cas. En aucun cas frère, en aucun cas. En aucun cas, frère. En aucun cas. En aucun cas. En aucun cas. Tu veux dire que... Prince Elvis t'a dit toutes ces choses? Oui, je crois que tu as très bien entendu. Non. Non. Mba. Vraiment, c'est assez. Je ne peux pas accepter que le prince Elvis me fasse du mal. Sinon, je le tuerai. Non. Attends. Je ne peux plus le supporter. C'est quoi ça? Ce garçon veut jouer de moi. Il se prend pour qui? Un petit fou. Viens. Viens. Mets-toi debout. Viens. Mets-toi debout. Viens, 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 viens. Partons. 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 Qu'est-ce que tu as pris? Ah ah. Nous appelons ceci Akudo dans notre langue. Avec ça. J'ai pensé déjà que tu allais prendre une arme ou un pistolet. Mais ça, c'est quoi? Faire quoi avec les revolvers ou les pistolets? Moi, j'ai que ça. Il est dit, utilise ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Avec ça, je vais lui anéantir et lui donner directement la mort. Je n'irai nulle part avec toi pendant que tu tiens ça. C'est soit que tu prends un revolver ou une autre arme. Un revolver ou rien, une autre arme ou rien. Ah, attends. Charles, il semble que tu doutes de ceci. Ne doute pas de ceci. Ce que je cherche, c'est être en contact avec lui, face à face, et je lui frappe à sa tête. C'est fini. Alors, s'il te voit la prochaine fois, il va te respecter. Pardon, ne perds pas mon temps. Allons-y. Allons-y. Laisse-moi, s'il te plaît. Ah ah. Je dis qu'il faut un revolver ou une autre arme. C'est quoi ça? C'est comme ça que nous faisons. C'est comme ça que nous faisons là-bas en Californie. Nous utilisons les revolvers. Nous utilisons les revolvers pour régler nos comptes avec nos ennemis. C'est ce que nous faisons. Ne viens pas me déranger. Attends, attends. Nous allons le revolver avec ça, dans l'immédiat. Je vais le lui frapper, l'ôter la tête avec ça et je mettrai fin à sa vie. Viens que l'on parte. Regarde-moi ce petit garçon. Quand je finirai avec lui, il saura.
Arrête! Qu'est-ce que tu veux dire par bienvenue, mon prince? Pourquoi ne pas t'étaler et ils vont marcher sur toi? Hesh! Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-il? Je suis celle qui peut te poser cette question. Qui est-il? Et peux-tu fermer ta bouche, sale petite garce? C'est quoi ton problème? Oh, je règle l'affaire avec mon Oji. Oh, au cas où tu ne sais pas, je suis venu prendre, ce qui m'appartient. Et voyons voir si tu pourrais être capable de m'empêcher de ne pas rentrer en Californie. On va voir si tu seras capable de m'empêcher, Tu as fini? Non. Si tu sais ce qui est bien pour toi, fais demi-tour. Retourne d'où tu viens parce que tu ne fais pas partie de nous. Et qu'est-ce qui va se passer si je ne sortais pas? Et toi, écoute-moi. Te ressemblait-il à ton père? Si tu sais ce qui est bien pour toi, toi, tu vas faire demi-tour. Tu vas laisser ce palais pour retourner d'où tu appartiens parce que tu n'es pas d'ici. Voyons voir d'abord comment tu vas m'empêcher et tu ferais mieux plutôt de montrer tes reins. C'est que tu sais bien faire, c'est ça. Très bien, fais-le encore. Montre-le. Oh, je vais les quais. Allô, maman? Allô? Oui, j'étais en route, je vais à la maison. Oui, d'accord, maman. Quoi? Qui est au palais? Es-tu sérieuse? D'accord, j'arrive. D'accord, je me retourne et j'arrive maintenant. J'arrive, ça ne sert à rien de beaucoup paniquer. J'arrive. Ce que j'aime dans ces pays, c'est que nous serons rois et reines. Ils resteront en train de chanter pour nous après que nous aurons ces pouvoirs dans tous ces villages. À ta santé, ma fille. Ils nous donneront du respect. J'ai été sûr que je serai moi le roi. Je serai le roi qui a une culture américaine, mais qui va imposer cette culture au milieu de la culture africaine. Ils n'auront pas le choix parce que je serai le roi. Je serai. Messieurs, qu'est-ce que je fais ici? L'Afrique ne s'élèvera plus tard. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Regarde-moi cet idiot. Il ose toucher ma propre famille. Laisse ma fille! Laisse! Arrête! Arrête! Laisse ma fille! N'ose pas me toucher! Ne me touche pas! Arrête! Laisse ma fille! Laisse ma fille! Ne me regarde pas comme ça! Laisse ma fille! Laisse la fille! Laisse-la! Laisse-moi! Maman! Il a abîmé ma robe! Oh, maman. Maman! Il ne faut plus oser! Je ne permets pas avec ma fille! Maman! Maman, arrête! Regarde vraiment ma robe! Oui. Continue à insister que le nouveau prince, l'américain, il n'a pas des épaules pour devenir notre roi. Il ne connaît absolument rien à propos de notre tradition et notre culture. Et c'est-à-dire que le prince Elvis est vraiment favorable à devenir le roi de notre royaume. Ichi Hugo, ça m'étonne la façon dont tu parles comme un gamin. Je t'ai adressé la parole telle que tu es là. Un vieux comme moi peut te traiter comme un petit? Tu me cherches? Tu ne contrôles pas ce que tu dis. Bien sûr, tu ne parles pas non seulement comme un enfant, mais tu aboies comme un chien. Oui, tu n'étais pas là quand Onowu nous disait le défunt roi avait instruit que Prince Charles soit couronné roi. Toi, tu n'étais pas là? Ichi Ando, est-ce que tu peux te calmer pour un moment? Ok.
Je pensais que tu avais quelque chose de très raisonnable à dire. Et si Ichigo qui est ici se comporte comme un chien, comme tu l'as dit, alors toi, tu es belle comme une chèvre. Mais... Je sais pourquoi tu dis toutes ces choses, c'est juste parce que toi, c'est de ton cousin dont il s'agit. Ok, laisse-moi te poser une question. Ok, pose-moi là, je l'attends. Si c'est américain... Oh, un peu de correction. Son nom c'est Charles, Prince Charles, mais pas américain. Tu lui dois vraiment du respect. Qu'en est-il si l'américain... Oh, je suis désolé, Prince Charles, venez après le couronnement du Prince Elvis. Qu'est-ce qui allait arriver? C'est vraiment clair comme l'eau de la source. Effectivement, nous allons retirer la couronne chez Prince Elvis, en bon et dit forme, le remettre à qui de droit. Oh non, Prince Charles, non seulement Prince Charles, mais le roi Charles. Hey, Chie. Oh non. Je voudrais que vous puissiez tous vous calmer, ok? J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Et je vous assure que je vous ai tous compris. Et si je pouvais parler, un problème comme celui-ci serait juste de chercher Eleni. Mais le problème réel ici, c'est lui qui crée la confusion. C'est parce que le dernier roi m'avait dit clairement que le prince Charles était né 12 heures avant le prince Elvis. Vous voyez? Voilà un peu la confusion. Ça, c'est du mensonge. Oh non, c'est un grand mensonge. Comment? Ne vous troublez pas parce que j'ai été là moi-même en personne. C'était toi le docteur? Que ce soit docteur ou soit infirmière, mais cela ne te concerne pas. Écoutez maintenant. Prince Charles est né 48 heures avant la naissance de Prince Elvis. Toutes les deux étaient enceintes au même moment. Avec le temps, la reine a connu quelques complications. Lui avait donné un retard pour donner naissance des jours après. Ichiando. Tu vois, c'est toi le plus grand menteur ici. Et maintenant, tu mentionnes des dates différentes de celles du roi. Il est évident que tu sois en train de supporter les fils de ta sœur de devenir roi. Mais laisse-moi te dire, à moins que nous soyons morts et ton fils, ça n'arrivera jamais. Tu as fini? Ichigo, sais-tu que tu es stupide? Hein? Non seulement stupide, vraiment, vraiment une bête. Alors, c'est à ton père, à toutes tes générations, à tout le monde, vous êtes tous stupides. C'est toi qui es plus stupide ici. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je ne sais pas parler. Préviens-lui, oh. Ah, c'est mon appareil qui sonne. Allô, ma fille Cindy. Je suis désolé, je suis en réunion. Je vais t'appeler un... Après. Quoi? La bagarre? Prince Elvis encore? L'Amérique. Et ses voisins? Ils te frappent, toi et ta mère? Aïe. Ne t'inquiète pas, je vais t'appeler après la réunion. Et Prince Elvis encore? Elle dit que Prince Elvis se battent, Elvis, ses voisins et la maman. Et tous. Allons-y. Joy. Ah. Joy, oh. Regarde ces chaises, on arrive. Ces enfants nous font vraiment la peine. Ces enfants, vraiment. Pourquoi ils sont quittés ici vite comme ça? J'espère que tout va bien. Ils n'ont même pas fini leur boisson. C'est vraiment sérieux. Hein? Ce matin, lorsque tu avais quitté cette parcelle, je sentais que quelque chose allait arriver. C'était une très grande bataille. Mais on y était quand même parvenu. Alors papa, tu essaies de me dire que la famille royale se bat entre eux. Qu'est-ce que j'en train de te dire? Ouais. Ils se sont battus. Alors, s'il te plaît, ça ne sert à rien de parler de toutes ces choses-là, hein? Va me chercher à manger. Prépare pour moi à manger. Il faut s'arrêter, oui. Il faut faire à ce que ça s'arrête. Avant que ne fasse partir quelqu'un. Va me chercher à manger. Papa.
J'ai faim, tu me parles des choses de la royauté, la royauté. La fille sorcière, tu me vois pas passer? Non. D'où tu viens, on t'a pas appris comment saluer les aînés? Bonjour, grand-mère. N'importe quoi. Qui est ta grand-mère? Tu ne connais pas où se trouve ta grand-mère? Mais je suis ta petite fille. Que Dieu m'épargne. Tu n'es pas ma petite fille et je ne suis pas ta grand-mère. Donne-moi ça. N'importe quoi. Peu importe. Reste là. Tu t'adresses à moi. Tu n'as aucun respect. Si j'écoute encore un mot de ta part, je vais enlever tout le poil qui sont sur ta tête là. Maman, viens voir cette dame qui me regarde ici. Je te déteste, n'ose plus te t'approcher de moi. Oh, non, 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 non. Viens ici, continue de parler. Je te hais aussi. N'importe quoi. Oui, bébé, je t'assure que tu le fais vraiment bien. J'aime ce que tu me fais. J'adore ce que tu me fais. Mais ils vont apprendre aussi de notre culture. Oui, vas-y. Vas-y. Ah! C'est quoi ça? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est? Ces palais ressemblent à un hôtel pour vous? Je vous parle, vous faites semblant. Quitte-la à ma présence. Ah! Tu n'as pas peur? Chérie! Calme-toi. Pourquoi cherches-tu des problèmes? Et que je te coupe ta tête. Et que je coupe ta tête. Et que je coupe ta tête. Et que je coupe ta tête. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu parles à qui? Tchaaaaa! Ferme-moi cette bouche! Hey! J'ai oublié! Oh, aïe, Abiné! Vous n'avez pas honte, vous deux! Je pensais que le fait de passer toute ta vie en étranger, tu devais parler un bon français. Si tu ne connais pas, laisse-moi t'apprendre. Au-delà de tout, je suis une reine de classe. Pas une dévergondée. Vous faites votre honte. Maintenant, l'observez. Est-ce que ce palais ressemble à un hôtel? Je vous pose la question. N'avez-vous pas une chambre où vous pouvez aller forniquer? Comme vous voulez faire du n'importe quoi dans ces palais. Allez dans votre chambre et que je ne vous vois plus ici. Une fille légère et prostituée. Même toi, Anna, tu deviens un prostitué. De bêtises. Bébé, non, ne t'occupe même pas de tout ce qu'elle dit. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de dire, s'il te plaît. Tout ce qu'elle sait faire, c'est fourrer et sonner dans les affaires de Zo. Dans les affaires de Zo. Tout ce que tu sais faire, c'est fourrer ton nez dans mes affaires. Oh, mon bébé. Fourrer ton nez. Je t'avais averti. Je t'avais averti de ne pas aller au palais. Mais tu avais refusé et tu as insisté. Me disant que ta femme te demande de me désobéir. Maintenant, tu subis les conséquences de la désobéissance. Oui, c'est ça. Tu es en train de subir les résultats de la désobéissance. D'ailleurs, je me demande si c'est toi qui as épousé ta femme ou c'est elle qui t'a épousé. Écoute, tel que nous sommes là, nous marions nos femmes. Nos femmes ne nous marient pas. Nous leur disons ce qu'il faut faire. Et elles le font, c'est fini. Nous nous arrêtons là.
Écoute, je suis très désolé de ne pas t'avoir écouté. Et excuse-moi pour cette situation. D'ailleurs, je dirais cette situation. Cette bête situation. Ok, mettons ça de côté. Ce n'est pas ça qui me dérange maintenant. Maintenant, là, je suis vraiment inquiété parce que... il y a quelque chose qui se passe que tu ne sais pas. Pour ton information, Onowu et d'autres anciens se réunissent pour couronner ton jeune frère roi. Elvis, oui, c'est ça le plan qui se fait maintenant là. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est quoi? Ils ne veulent pas de merveille. Hmm? Ils ne veulent pas de merveille. Ils ne veulent pas de merveille. Je jure devant Dieu, ils ne veulent pas de merveille. Yao! Yao! Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-le-moi, c'est quoi? Je te dis ce qui est vrai. Je te pose une question. Ok, allez-y, je t'écoute. N'étais-tu pas posé la question pourquoi je ne suis jamais venu dans ce village depuis très longtemps? N'étais-tu pas posé la question pourquoi je ne suis jamais venu ici depuis très très longtemps? Tout ça c'est parce que j'avais tué une personne. J'avais tué une personne. J'étais en prison. J'avais tué une personne. J'avais fait des tas de bêtises. Il blague avec moi, c'est ça? Il blague avec moi, c'est ça? Mon petit frère qui vient prendre le trône à ma place. Le trône est pour prendre. Et nous sommes prendre. Écoute-moi, hein, tout le monde qui essaie de mettre du désordre, je te jure que tout le monde qui essaie de mettre du désordre, je jure devant Dieu que tout le monde qui essaie, comme quoi? Pardon, c'est assez avec ces grands vocabulaires. Je vais à ce que nous essayons de réfléchir et voir comment, de plus près, nous pouvons poursuivre ce problème. Parce que je ne peux pas accepter que ton jeune frère prenne le trône. C'est vraiment impossible. Tu t'étonnes de quoi? C'est quoi ça? Oh oh! Oh! Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu as demandé aux servants de ne pas respecter les ordres de ma maman mais plutôt les tiens? Tu es devenu stupide? Vous réfléchissez comme de putes africaines. Quoi? Tu sais quoi? Tu t'es rabaissé. Daisy, tu te permets de me dire que je me suis rabaissé? Tu as le courage de me dire que je me suis rabaissé, Daisy? Bien sûr. Tu as déjà écouté. Qu'est-ce que tu veux me faire? Daisy, tu me provoques. Daisy, je t'ai provoqué. Et qu'est-ce que tu veux me faire? Tu me provoques. Daisy, toi, oui, je veux chercher de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Daisy, tu me provoques. Vas-y, qu'est-ce que tu veux me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux me charger de toi. Je dis, mon Dieu, tu vas rien me faire. Continue. Je t'avais dit, toi, je viens de me prévenir. Je t'avais dit, je t'avais bien prévenu. Je t'avais prévenu. Tu te ranges trop, tu mets les jambes mal à l'aise ici. Tu te ranges, mais qu'est-ce que je vais te taper? Je suis ici pour te dire ce que font ces jeunes maintenant là. Parce que si je réagis, pardon, je ne veux pas qu'une personne me donne la faute, spécialement toi, parce que je suis proche à toi. Non mais Ichi, tu veux dire que le prince Elvis a agressé son propre frère et a cassé sa tête? Ah, je n'ai pas de l'eau dans la bouche. Tu m'as bien entendu. Que signifie ceci? Je ne sais pas. Mais pourquoi ça? Si vraiment je réagis,
personne, je dis personne, spécialement toi qui es mon ami. Ne me blâme pas. Calme-toi. Je vais à l'hôpital avec toi. D'accord. Joy, Joy. Viens. Je te salue, ma fille. Nous allons à l'hôpital pour voir le prince Charles. Reste à la maison comme ça, d'accord? Prince Charles? Oui, il est à l'hôpital. Papa, j'espère que c'est pas sérieux. Donne-moi mon chapeau et les habits, comme ça je vais partir avec lui. Il m'attend. Fais vite. Mais pourquoi ils sont comme ça? Oh non, Biko, ne me blâme pas. Je vais mal réagir, je t'ai dit. Mon prince, vous me cherchiez. Oui. Maintenant, écoute. Je veux que tu partes me trouver le vin tapa-tapa. Tu comprends ce que je dis? Du vin tapa-tapa. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce royaume? J'arrive pas à supporter. J'ai besoin du vin que je peux aussi tirer comme ça. Mon prince, je ne sais pas comment on trouvait dans ce royaume. C'est quoi le problème avec toi? Et quel es-tu alors de Kudinshi? Kudinshi, mon prince, c'est ton langage là me rend fou. Mais mon prince, il y a quelque chose de plus fort qu'on appelle Weg. C'est fort, c'est très fort et je crois que tu vas aimer. Ce sont des choses adaptées à des gens de votre rang. Que veux-tu dire? Es-tu Igbo? Ce n'est pas comme Aibo. Aibo n'est pas bien. Les gens qui prennent des Igbo, ils sont des faiblards. De quoi parles-tu? Es-tu Igbo? Mon prince, je n'ai pas dit Aibo. Igbo. Peu importe comment vous appelez Igbo ou quoi que ce soit, ce n'est pas mon problème. Regarde, voilà ce que tu vas maintenant faire. Prends ça et va maintenant me trouver, comment on appelle ça encore, quelque chose comme Aibo, cigarette. Tu peux me prendre tout, mais s'il te plaît, ne me prends pas le Aibo. Je ne connais pas ce que c'est et du coup, ne me prends pas ça. Oh, ok, mon prince, je vais vous le chercher. C'est bon alors. Et s'il te plaît, ne me fais pas perdre du temps. Ne traîne pas là-bas. Je suis venu avec un pistolet pour toi. Et ce monsieur était là à me regarder. Et je me disais, pourquoi tu es là à me regarder? Tu ne peux pas partir. Je te jure, c'est dommage comme un petit garçon. Pour être honnête avec toi, ce monsieur t'aime. C'est vrai. Il t'aime, Rose. Il t'aime et il va t'épouser. Il t'aime, je te dis. Je ne veux pas de lui. Puis-je le joindre à vous? Et qu'est-ce que cette sorcière américaine cherche? Tu veux quoi? Je voulais dire. Qu'est-ce que tu dis? Non, tu ne peux pas nous rejoindre. Et en plus, nous ressemblons à tes servantes. Imagine. Allez, quitte ici. Mais excuse-nous, il n'y a pas de mais. Enlève ton petit corps d'ici avant que je te renverse ça. Quitte ici. Quitte là. Quitte ici, vite. Oh mon Dieu. Tu peux imaginer. Regarde-moi ce petit rat. Mais elle me fait mal à la tête. J'ai directement eu envie de l'étrangler. Attends, j'ai une mère normale, alors je ne veux pas continuer avec cette conversation. Oh mon Dieu. Amenez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Elle a tout chamboulé. 10 minutes. Oh. Qu'est-ce que tu avais fait? Hé, ce garçon va me tuer. Mais pourquoi il avait fait ça? Est-ce que tu sais que tu as commis une abomination qui peut t'écouter les trônes, qui peut te disqualifier à ces trônes, tu sais? J'ai fait cette bêtise parce que je cherchais un peu de me défiler. C'est juste que je cherchais de me défiler. Hé, tu la fermes, c'est assez. C'est quoi? Laisse-moi un peu penser. Mais tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais leur donner de l'argent, mais pas les blesser. C'est mieux d'aller voir Ono. Hein? Allons le voir et lui demander pardon. Mets-toi debout, pardon. Je n'ai pas une personne qui te présente mes excuses. D'ailleurs, la personne que tu viens de mentionner est une personne qui est censée m'apporter du respect. C'est une perte de temps. Tu m'as entendu? Oh non. Même si tu refuses, moi je dois aller. Je dois aller le voir et présenter mes excuses. Tu as commis un sacrilège. C'est ce que tu as commis si tu ne sais pas. Et ça, ça peut t'écouter le trône. Oui.
Charles, que signifie tout ceci? Écoute, je n'ai pas l'air de pouvoir me chamailler. Ôte-toi de mon chemin. Petit frère, tu resteras petit frère et tu seras toujours inférieur à ton grand frère. Ça m'étonne qu'après tout ce temps, tu continues toujours à avoir envie à diriger ce trône. La bêtise que tu fais sur cette terre. Tu sais quoi? J'aime voir tes sœurs manger par terre. C'est ce que j'aime. Si cette terre t'aime, c'est parce que tu n'es qu'une poubelle. Alors fais-moi une faveur. Vois-moi comme ton père. Vois-moi comme ton père. J'ai dit, vois-moi comme ton père, frère. Vois-moi comme ton père. Écoute-moi, Charles. Arrête ceci, ok? Vois-moi comme ton père. Vois-moi comme ton père. Arrête ça. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu pensais que j'ai blagué? Tu pensais que c'était une PlayStation? Je crois que je t'avais déjà prévenu, mais tu pensais que j'étais en train de blaguer. Et voilà maintenant que tu obtiens le résultat. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh, le prince Elvis, s'il te plaît, reste avec moi! Reste avec moi! Reste avec moi, je t'en prie! Elvis! Je préfère celui-ci! Je savais! Regarde aussi ça! C'est beau, n'est-ce pas? Ça, c'est à moi. Tu as aimé? t'as pas aimé? Je pense à ça pour ton anniversaire. Est-ce que tu m'entends? C'est quoi ton problème? C'est quoi ça? Attends. C'est bon. J'ai dit que c'est bon. Donc tu l'as quand même fait après tout. C'est ce que tu veux dire? Mais bébé, tu sais que je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Tant que je suis, je suis. Tant que je suis, je dis que je suis. Et tu sais très bien que moi, là, je viens de la Californie. Excepté toi qui comprends comment on fait les affaires. Juste toi qui comprends comment on fait les affaires. Oh merde, putain. C'est quoi? J'ai très bien compris. Et à quoi? J'ai très bien compris.
J'ai très bien compris. Mais dis-moi, c'est quoi? J'ai appris qu'il vient de s'en tirer. Ma femme vient tout juste de m'appeler. Oh, il n'est pas mort. Oh, Dieu merci. Ah, j'ai vraiment peur quoi, que... C'est quoi cette bêtise? Pourquoi dis-tu tout ça? Tu n'étais pas supposé être en joie. Cet idiot méritait de mourir après tout. Non, je ne suis pas d'accord. Dieu merci comme il n'est pas mort. Écoute, tu utilises l'arme ici. Pardon, n'utilise pas l'arme ici pour ne pas encore tuer. Pardon. Ma femme m'a informé que la mère de cet idiot a touché ma fille. Et pourquoi est-ce que ça doit être ma femme? Ma femme. Pourquoi est-ce que ça doit être ma femme? Pourquoi est-ce que ça doit être ma fille? Oh merde. Pardon, calme-toi. Hé, hey, Dieu, mais... Non, viens. J'ai remercié Dieu comme il n'est pas mort. Pardon, n'utilise pas l'arme. Hein, n'utilise pas l'arme. Pardon, on ne demande pas l'âge de celui qui a une arme à la main. Tu en as beaucoup dit. Écoute, si tu dis encore un mot, je vais tomber sur ta tête. Je vais tomber sur ta tête et je te tuerai à sa place. Ah! Donc, c'est comme si toi, tu n'as pas peur même de tout ce que je t'ai dit. Pourquoi toi, tu comprends difficilement? Laisse-moi. Ah! Laisse-moi. Dieu merci parce qu'il n'est pas mort. Si tu l'avais tué, je ne sais pas. Non, ne pars pas. Viens. Il doit quand même. Charles, viens ici. Pourquoi es-tu tellement embarrassant? Je ne suis pas contente de ça du tout. Cela doit cesser. Cindy, tu es normale. Tu ne peux pas parler de cette façon à ton père. Je parlerai comme bon me semble. Et c'est pareil avec toi. Toutes ces batailles que vous créez dans ce palais me rendent malade. Vous devez arrêter cela. Sinon, je m'en irai ne plus revenir. C'est une promesse. Cindy, reviens ici. Hey, bébé, s'il te plaît, laisse-la libre. Qu'est-ce qu'il y a? Il arrivera un temps, elle va comprendre tout d'elle-même. Ne t'inquiète pas, il arrivera un temps, elle va tout comprendre d'elle-même. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qu'elle a? Elle va comprendre d'elle-même ce qui se passe réellement. Est-ce que tu m'as entendu? Tu vas bien, ma princesse? Je ne veux pas bien. Tout le monde me déteste dans ces palais. Ma grand-mère ainsi que mes tantes me l'ont dit. Juste à cause de l'attitude de mes parents envers eux. Je ne suis pas une mauvaise personne. Ou penses-tu que je le suis? Non, ma princesse. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es jolie. D'ailleurs, tu es un ange. Que cela ne te dérange pas, ok? Il n'y a personne qui te hait. Tu en es sûre? Oui. Merci. Je t'en prie. Oh, permets-moi de t'amener du jus ou quelque chose de comme ça. Tu vas aimer? Je te reviens. Ok. Sois calme, ok? J'arrive. Mon prince, elle était juste assise là-bas derrière et je devais prendre pour elle le jus et les chips. En revenant, je ne l'ai plus retrouvée. C'est pourquoi je suis venue vous avertir. Qu'est-ce que tu dis? Elle a juste disparu comme ça? Où est ma fille? Tu l'as pas vue? Où est ma fille? J'ai cherché partout dans le palais, je n'ai pas vu ma fille. J'ai cherché partout où je pouvais, je n'ai pas vu ma fille. Je sais où la trouver. Je trouverai ma fille, je te promets. J'aurais fait quelque chose, pardon. Ma fille. S'il te plaît. Qu'est-ce que je veux faire? Cindy.
Nous l'avons fait. Mais cet idiot, cet imbécile reclame qu'il connaît un peu plus sur le kidnapping de ma fille. Mais lui... Ça, c'est pas vrai. J'en finirai avec lui. C'est ma soeur qui n'a pas ma fille. C'est le père. Ma femme, calme-toi. Pardon, calme-toi. Ma fille. Je crois fortement que Ono et le prince me cachent quelque chose. Parce que la fille s'implique aussi dans cette affaire. C'est pourquoi ils ont chassé d'emballer et quitter les palais. Mais ne t'en fais pas, je te donne la parole d'honneur. Nous ferons tout, surtout moi. Je promets, je vais retrouver ta fille. Quelle que soit là où elle est, je vais l'amener ici. Je me donne ma fille. Maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi vous tous êtes contre moi à l'idée où ils vont faire rapport à la police? Pourquoi vous tous êtes contre moi? Ne déborde pas. Charles, ne fais pas ça. Regarde, c'est contre notre culture, contre notre tradition. Ta tradition est une merde. Ta tradition est une merde. Ta culture est une merde. Ta tradition est une merde. Ta culture est une merde. Ta tradition est une merde. Non, dis-moi, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu as à propos de moi? Non, sois calme. Écoute, si tu fais ça, c'est ce qui va te disqualifier d'être roi. Écoute, ne me dis pas cette bêtise. Ne me dis pas cette Notre culture, on va le gérer. Je te l'assure. Quel que soit l'endroit où se trouve ta fille, je ferai. Je te promets que je vais la ramener à la maison. Écoute-moi, je ne peux pas nous compter aux États-Unis avec personne. Alors, si elle était en Californie, elle pouvait venir et j'allais la voir à tout moment où je voulais. À tout moment où je voulais. J'ai besoin de ma fille. Pourquoi tu veux d'aller à la police? Pourquoi? C'est contre notre tradition. C'est vrai ça? Calme-toi. Écoute, ma femme, pour la dernière fois, je te donne ma parole d'honneur. Tu es émotionnée de ta fille. Je te dis la vérité qu'elle va rentrer. Aussi longtemps que je suis concerné. Quand c'est pour ma fille, je ne blague pas. Si il y a quelqu'un qui peut m'entendre, quand c'est pour ma fille, je ne blague pas. Je sais. Quand ça concerne ma fille, je sais. Calme-toi. Tu m'entends, celui qui peut m'entendre, quand c'est pour ma fille, quand c'est pour ma fille, je ne blague pas. Je sais, je vous le promets. Elle n'est pas non seulement ta fille, elle est notre fille. Nous allons faire tout pour la ramener à la maison. Oh ma reine, je t'en supplie au nom de Dieu. S'il te plaît, rends-moi ma fille. Je te promets, tu ne reverras plus nos visages. Nous allons rentrer en Californie et ne plus jamais revenir, pardon. S'il te plaît. C'est quoi ça? Je t'ai jamais dit que moi et mon fils ne savions rien à propos de ton enfant. Tu demandes de mauvaises personnes. Maintenant, si tu pourras m'excuser, j'ai des choses importantes à faire. Excuse-moi. Oh, laisse-moi. C'est bon, lève-toi, mets-toi. S'il te plaît, aide-moi à parler à ta maman. Je ne pense pas que ma maman et mon grand frère savent quelque chose pour la disparition de Cindy. Parce que je me rappelle l'avoir vue ces jours-là. Nous ne détaillons pas. Ok? Toutes les personnes dans ces palais t'aiment. Mais... tes parents sont la cause. Mais ne t'en fais pas, ok? Je t'aime, quoi moi aussi t'aime, et tout le monde dans ce palais t'aime. Alors, sois calme, souris. Devine quoi? Quoi? J'ai un cadeau pour toi. Cadeau? Oui, j'en C'est ai. C'est quoi? Pourquoi ne pas deviner? Je n'arrive pas à deviner. Ok, j'ai quelques chocolats. Chocolat? Waouh, j'aime ça. Je savais que tu aimes ça. Mais, parce que tu es mon ami. 5 plaquettes. 5? On y va. Oh, où elle est? Où elle est? Où elle est? Princesse. Maman. Pardon.
Que sait-il à propos de la disparition de Cindy? Maman, je jure sur mon honneur, je ne connais rien à propos de la disparition de leur enfant. Je sais seulement... Chut! Je veux que tu me dises la vérité. Rien que la vérité. Ok, maman. C'est bon. Je l'avais retrouvée assise ici. Elle pleurait et a dit que personne ne l'aimait dans cette maison. Je l'avais consolée et je lui ai donné quelques plaquettes de chocolat. Et elle est partie jouer. Et la dernière chose que j'ai écoutée, qu'elle avait disparu. Et sa maman m'a quise d'enlever sa fille. C'est seulement toi, qui as son sens aimé. C'est toi qui l'as kidnappée. Est-ce que tu écoutes ça? J'ai kidnappé ma fille. Maintenant, laisse-moi t'écouter. Si tu peux m'accorder un peu d'attention. Est-ce que c'est Elvis qui t'a demandé de le faire? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu connais. Je ne sais rien de votre fille. Tu connais. C'est bon, bébé. Ça suffit. Maintenant, écoute. Tu es la dernière personne à l'avoir vue. Hein? Et ça fait quoi? Si elle est la dernière personne d'avoir vu votre fille, cela fait d'elle un kidnappeur? Bien sûr, elle est. S'il vous plaît, je veux pas de problème. Avant que vous tous vous m'accusez de kidnapper Cindy. Ouais, tu as kidnappé Cindy. Je l'ai pas fait, arrête. Tu es en train de mentir, Dora. Allô? Excusez-moi? Quoi? Écoutez, vous ne pouvez pas... Non. Je suis désolé, je n'ai pas crié. Non, je ne t'écris pas dessus, non. Je suis fou. Je ne t'écris pas dessus, s'il te plaît, calme-toi. Ne lui faites pas du mal, s'il vous plaît. Je peux lui parler? Oh, calme-toi. Je te promets que tu seras libéré, calme-toi. Alors, s'il te plaît, allô? 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 C'est Charles. Charles, tu es comment? Oui, mon prince, j'ai été informé de kidnapping de votre fiancé. Voilà pourquoi je suis ici. Mon prince, j'ai visité toutes ces bandes sur cette question et j'ai été informé que c'est votre demi-frère, l'Américain, je veux dire le prince Charles, est responsable de tout ceci. Parce qu'il pense que vous avez une mainmise sur la mort ou la disparition de sa fille. Voilà pourquoi il s'est décidé de te les restituer. Itié, es-tu sûr de ce que tu viens de dire? À 100%, mon prince. À moins que vous croyiez que les dieux sont mensongers. Charles. On veut... On verra. Ichie, merci pour cette information. Je t'en prie, que le Dieu vous bénisse. Merci, mon prince.
Mes collaborateurs. Oh non. J'ai convoqué cette réunion aujourd'hui pour que nous trouvions une solution à ce problème. Le problème opposant Prince Charles et Prince Elvis. Je voudrais que nous mettions un point à tout ceci aujourd'hui. Je crois que je suis clair. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Écoutez-moi d'abord. Arrêtez un peu avec vos problèmes de culture africaine. En ce moment, quand je vous parle, ma fille est introuvable et je crois qu'elle est dans un amigo. Je suis là. Je suis ici pour le respect et l'amour que j'ai pour vous tous. Parce qu'en me voyant, je n'ai aucune affaire avec un accro à la drogue. Pour tout commencer, je voudrais que vous puissiez lui dire que je n'ai rien à faire avec sa fille. Et je voudrais qu'il libère ma femme. Je crois que c'est simple que ça, libère ma femme. Écoute-moi d'abord. Et je m'en fous de tout ce que tu dis là. Donc tu essayes de me dire que ce n'est pas toi qui as kidnappé ma fille? Écoute maintenant, attends, tu verras comment je vais les faire de la bannière à la Californie. Est-ce que tu me comprends? Vous n'êtes qu'une bande de villageois locaux. Attention. Tu ne sais pas fumer. Fais attention. Arrête avec ça. C'est quoi? Ono est en train de parler. Vous êtes normal? Vous n'avez plus encore du respect pour Ono? Alors écoutez, vous deux. Je ne veux pas entendre encore vos voix. Ono, je suis désolé, pardon. Continue avec ton discours. Comme je le disais, nous avions décidé que nous ne voulons plus entendre que vous vous êtes battus l'un l'autre dans ce palais. Et une fois que ce fait, vous deux serez disqualifiés au couronnement du roi. De ce fait, la royauté sera attribué à une autre famille. Ono, vous montez. Cela ne se ferait jamais tant que je suis vivant. Essayes-tu de me nier à cause de cet accro à l'alcool? Non, c'est juste que je veux un peu... Non, c'est pas bien, Ono. Vous essayez de me comparer à cet accro à l'alcool. C'est un bâtard de rien du tout. C'est un bâtard, je n'ai rien à faire avec lui. Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Toi, maintenant écoute-moi très attentivement. Écoute-moi, je vois que tu ne veux pas vivre en paix. Tu as kidnappé ma fille et tu refuses d'accepter que c'est toi qui as kidnappé ma fille. Je ne sais pas en quel état se trouve ma fille. Hein? Tu blagues avec moi? Tu penses que je blague? Tu penses que je blague? Non, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Comment il va se taire? Il ne peut pas se calmer. Tu ne peux jamais me dire ça. Non, tu ne peux jamais me dire ça. Je te demande comment ça se passe en Californie. Tu ne peux jamais. Je te demande comment ça se passe en Californie. Tu ne peux jamais, frère. Charles. Grand-mère. Grand-mère, je peux venir avec toi? Je te rappelle. Je te demande pardon? Comment m'as-tu appelée? Et tu veux partir où avec moi? Et tu m'appelles ta grand-mère? Combien de fois dois-je t'interdire de m'appeler ta grand-mère? Si je t'écoute encore parler de ça, je vais te casser cette gueule. N'importe quoi. Hé! Va à l'intérieur! N'importe quoi. Si je savais, j'allais permettre qu'elle vienne avec moi. Elle ne serait pas perdue maintenant.
seulement je savais, j'allais mettre mon orgueil à côté et devenir ces grands-mères que j'ai toujours souhaité dans la vie. J'ai échoué. J'ai échoué en tant que mère et j'ai échoué en tant que grand-mère. Oh, sous mes yeux, je regardais ma famille se battre au lieu de faire la paix. Chai, Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu. Je prie et je demande que tu rassembles encore une fois ma famille. Tout ce que je veux, c'est la paix dans ma maison. Juste ça. Mon fils, je veux que nous parlions des choses importantes. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Regarde, je veux que ces combats entre toi et ton frère puissent s'arrêter. S'il te plaît, je veux que ça s'arrête. Et comme ça ils vont relâcher Christabel pour toi. Quand toi, tu sais, tu vas relâcher aussi Cindy pour lui. Qu'est-ce que je dois te dire pour que tu me croies? Je n'ai aucune mainmise sur la disparition de Cindy. Crois-moi. Je suis sûre que je te crois. Parce que tu l'as dit comme ça. Je parlais avec Tessie aujourd'hui. Et elle m'a dit qu'elle est sûre de son mari. Qu'il ne sait absolument rien pour la disparition de Christabel. Maintenant, je me demande, qu'est-ce qui se passe réellement si vous deux, vous ne savez rien pour la disparition de ces deux personnes? Et qui l'a fait? Allow me, make a seat on my throne. Ochez a nyaboku, mbongo. Umas a nabono, nyaga buzazo. Ochez a wana sarako, mbongo. Allow me, I won't possess my possession. Onyan can a sinabunya, mbongo. Onyan cause a sinabunya, mbongo. Onyan mazisiga brazil. I know green, you know green, we go scatter. Ndio podani we manesi bonso budio. Esi bonso budio we manesi bonso badigo. Esi bonso. Charles, on peut parler? Il n'y a rien que nous puissions parler. Je ne peux pas parler avec toi, Elvis. Hein? Je ne suis pas d'humeur pour ce genre de bêtises. Est-ce que tu m'as entendu? Alors écoute-moi, Charles. Je sais que nous ne sommes pas des bons amis. Nous sommes comme la souris et le chat. Mais crois-moi, je ne connais absolument rien sur la disparition de ta fille. Tu ne sais absolument rien sur la disparition de ma fille, c'est ce que tu essaies de me dire. E-L-V-I-S, mon frère à moi. E-L-V-I-S, mon frère à moi, c'est ce que tu dis. Et tu veux que je croie à ça? Non, tu veux que je te croie. Frère, cette fille, c'est la lune qui me l'a donnée. Je ne joue pas avec ma fille. Quand ça concerne ma fille, je ne blague pas. Hein? Oui. Et maintenant, écoute-moi très bien. Quand ça concerne la tradition et la culture, je ne sais rien. J'abandonne tout à toi. Parce que moi, je suis le Californien. C'est ce que je sais faire. Je suis un Californien. C'est ce que je sais faire. Je sais que tu maîtrises très bien la culture et la tradition. C'est ce qui fait de toi le meilleur candidat. Ça, je le sais. Hey, mais ne touchez pas mon rap. Y a pas d'excuse. Parce que ce que je sais faire, c'est vivre en Californie.
Je ne suis qu'un Californien, c'est ce que je sais faire. Mais que toi, tu kidnappes ma fille, c'est ce que je ne peux pas accepter, mon frère. Ça ne marchera pas. Voilà vraiment le problème. Nous sommes tous des victimes ici. Je réalise que tu n'as absolument rien dans la disparition de ma fiancée. Alors crois-moi, je ne connais rien à propos de la disparition de ta fille. Comment puis-je te croire maintenant? Comment puis-je te croire? Non, comment puis-je te croire maintenant? Comment puis-je te croire? Je te comprends là. Tu as raison de dire ça. Non, dis-moi, comment veux-tu que je te croie? Comment veux-tu que je te croie? Adji, assez avec le dérangement, pardon. Oui, tu n'es même pas le membre du cabinet de Igwe. Tu n'as aucune affaire avec la famille royale. Tu me déranges pourquoi? Oui, il est arrêté. Oui, j'ai fait arrêter Ichie Idike pour avoir opposé les deux frères l'un à l'autre. Même si tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? Pardon, ne me dérange pas. Merci, ne me dérange pas. Comme l'honneur de ce grand royaume, j'ai l'honneur de te couronner. Igwewanki bien un de notre royaume. Ouais, bravo! Ça suffit. Ça suffit, je ne veux pas de ça. Je ne suis pas intéressé à être le roi de ce royaume. Je ne suis pas intéressé à toutes ces choses. Oui. Oui. Essayez un peu de voir. Et si vous pouvez, demandez-moi alors pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Nous sommes dans une famille. Et quand il s'agit de la coutume et de la culture, vous m'entendez? Hein? Hein? Ça sera juste pour moi de faire le nécessaire. Ce qui est. Regardez-moi très très bien. Je pense que il ne faut pas faire seulement quelque chose parce qu'il faut qu'on te voie que tu l'as fait. Je ne peux pas juste prendre cette place pendant que je sais qu'il y a quelqu'un qui mérite cette place. Alors je me suis décidé de donner cette royauté, de la remettre d'ailleurs à mon frère que j'aime beaucoup, Elvis. Elvis, je sais que nombreuses fois, moi et toi, nous avons eu des disputes et... Est-ce que tu m'entends? Je sais que j'étais blessé de nombreuses fois. J'étais blessé de nombreuses fois. Tu sais, mon frère reste mon frère malgré tout. Malgré tout, tu restes mon frère. Je sais que là-bas, les gens peuvent te contredire, mais moi, je ne les mérite pas. Je ne les mérite pas. Pour toi. Je sais que c'est juste de ma part de la remettre auprès de mon frère que j'aime beaucoup, Elvis. Elvis, je t'aime. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère, malgré tout. Ça, c'est vraiment compliqué. Je sais que tu mérites. Et tu seras un bon roi. Tu seras un bon roi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Allow me, make I see.
Manonya Masia Lucy Gabuese. Even Kennedy Jenna.